Salut à tous les amis, bienvenue dans S'enfiler le mag. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro autour de la table aujourd'hui. Benoît Mélin, Julien Varlet, Service Volé. Juju, mon Juju, que c'est bon de te retrouver. Mais c'est cool, petite semaine parisienne. Tout va très bien? Bah plutôt, petit... pas mal. S'il faisait un peu meilleur, je t'avoue qu'hier je mangeais encore en short. Oh, bah, tu peux pas tout avoir. Oui, ça va, ça va, on était à Marseille il y a deux jours. On était à Marseille, jours. Non, ça va être une belle semaine, je suis bouillant. T'es bouillant? Il y en a un autre qui est bouillant, mais il est tout le temps bouillant, c'est Benoît Mélin. Ouais, ça va mon Benoît? Ouais, mais je suis un peu d'accord avec ton guignol. Qu'est-ce qu'il dit ton guignol? Bah, retour de Juju, on voudrait bien... Oh non, non, lundi matin, on voudrait bien un proverbe. Oh non, 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 non. Alors, attends, on va expliquer à SV. SV qui est avec nous aussi? Ça va mon SV? Ça va. Tu passes ta vie dans le train, mais ça va. Oh là, ça fait quoi 25 heures de train en 48 heures. Le gars, il a fait Marseille-Paris, Paris où tu habites. Tout. J'ai une connaissance assidue des wagons-bars, je connais tous les prix. Ouais. C'est la technique d'SV dans le train. Le gars se pose deux minutes et il va au wagon-bar tout. Mais il y a des kirs au wagon-bar? Non, il n'y a pas de kirs, mais par contre... Si vous voyez des kirs. Les coulisses un peu de l'émission, c'est que on s'est retrouvés au wagon-bar. Ah, c'est un truc de vieux, bah, il boit ça. Bah, oui, je vois que ça. Que du kir. Kir cachis. Ouais. On s'est retrouvés, Marie. C'est grand-mère SV, putain. Au wagon-bar, sur le retour, justement. Oui, on regardait. Et on a trouvé le sujet de l'émission. Au bar. On l'a modifié, quoi. Au bar, c'est ça. Mais on était à l'eau claire. Bon, tout va très bien. Oui. Et qu'est-ce qu'il disait, Tanguy Guignol? Du coup, le proverbe. Non, donc le proverbe, on va t'expliquer le proverbe. C'est qu'en gros, Julien Varlet nous offre généreusement des proverbes de qualité douteuse en début de chaque émission. Voilà. C'est grivois, c'est grivois. Ah, même c'est j'adore, j'adore. C'est beauf. Ah. Non, mais là, il arrive. Toi, il faut qu'il se mette dans le contexte. Ouais. Micro Varlet, le micro de Juju. Alors là, tu vois, Juju, je te l'ai dit. C'est réglé, ne touche à rien. Je voyais en début d'émission, quand il s'est équipé, il y a son micro qui était en train de faire des va-et-vient sur son col roulé. Je me suis dit, ça va pas tenir longtemps, ce truc-là. Non, il est bien, là. Tu ne bouges plus. On va saluer tous ceux qui nous écoutent aussi en podcast, parce que je vous rappelle que Mag est dispo en podcast. Donc, n'hésitez pas à le télécharger dès la fin de l'émission sur toutes les plateformes. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous envoyez des pouces. Je vous rappelle aujourd'hui aussi qu'on va faire gagner, enfin, le livre de Rafa Nadal, ça se passera sur le chat Winamax. On ne peut gagner ce livre que sur le chat Winamax. Je vous poserai une question, il y aura trois réponses et vous cliquerez sur la bonne réponse. Et voilà, il y aura un tirage au sort. Tu l'as vu, toi? Le livre de Corinne Dubreuil, là, sur... Oui, je l'ai vu. Un truc de dingue. Monumental. Le chef-d'œuvre. Sublime. D'ailleurs, elle a gagné un prix. Exactement. Le sommaire de ce mag, les amis, de la technique. C'est quoi une belle technique? Est-ce essentiel pour être efficace? Federer est-il le dernier beau joueur? On vous donnera aussi, vous allez voir, c'est sympa. On va vous donner aussi nos top 3 des meilleures et des pires techniques de joueurs. Notre coach vous exposera ensuite les spécificités de l'indoor, enfin, s'il y a encore des spécificités. Puis dans la deuxième partie de l'émission, top flop de la semaine, ce qui nous permettra notamment de revenir sur les sacres de Yannick Sinner et de Félix Auger Aliassime. Et puis une petite partie pronostic sur Bercy et sur le Masters féminin. Voilà un gros programme, c'est alléchant. C'est un des mags qui m'excite le plus, je dois vous le dire. Calme-toi. Puis effectivement, ce qui est cool, c'est qu'il y a des places à aller chercher au Masters. Donc, à Bercy, là? Ouais, Bercy va être sympa. Il m'étonne. Le 8e spot, il y a de la concurrence. On parle technique, on parle beauté et style peu académique, c'est ce match. C'était quoi ta question? Federer est-il le dernier beau joueur? Attends, voilà, point terminé, on arrête l'émission. Très doucement. D'abord, tu me connais. Oui. J'aime bien quand on cadre les choses. Cadre. T'es cadré. Donc, je voulais d'abord vous poser une question très simple. Et je vais commencer par le coach qu'on a sur ce plateau. Julien Varlet, c'est quoi une belle technique? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais répondre très basiquement. En fait, tout ce qui se passe avant, on s'en fout. La chose la plus importante. Qui se passe avant, c'est-à-dire? Dans le mouvement. Ah. En fait, c'est intéressant, ça. Ouais, bah oui, parce que tu me spoiles ma réponse d'après, mais je la dis tout de suite. En fait, on va prendre des joueurs très. Medvedev, on va dire qu'il n'a pas la plus belle technique. On va dire Kukushkin, qui a une technique encore pire. Mais en fait, ce qui est le plus important au tennis, c'est le plan de frappe. C'est pas ce qui se passe avant, c'est le plan de frappe. Toi, c'est ce que tu regardes. Ah ben, c'est l'efficacité. Par rapport à toi, ta question, moi j'ai regardé la globalité. Mais quand tu regardes après l'efficacité et ce qui est le plus important dans une technique, c'est pas ce que tu fais avant et potentiellement après, mais c'est au moment où tu touches la balle, que ce soit en coup droit ou en revers. Le plus important, c'est le plan de frappe. Si tu as un plan de frappe devant, tu as beau faire n'importe quoi avant et après,
Je suis pas sûr que tout le monde regarde ça pour juger d'une belle. Non, mais, non, mais c'est pour ça que je te dis une belle technique. Là, je te parle de la gestuelle. Maintenant, l'efficacité, c'est le fameux plan de frappe. Mais ça, on y reviendra. Donc, pour les joueurs, les meilleurs joueurs mondiaux, on va prendre Medvedev parce que c'est quand même pas un de ceux qui a les plus belles techniques. Le plus important, il a beau faire ses trucs comme ça en coup droit et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il frappe, il a un plan de frappe devant. Là, une mauvaise technique ou une pas belle technique, c'est quand si tu commences à frapper un petit peu à hauteur de hanche ou derrière toi, là, la technique est mauvaise. Djokovic sur YouTube qui nous regarde, hein, sur YouTube, Djokovic en direct de Bercy, qui nous dit une belle technique, c'est la fluidité, pas puissance, le contrôle. SV, c'est quoi une belle technique pour j'ai essayé de mettre en place une définition, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Vas-y, vas-y. C'est le prof, là, il a sorti les lunettes. Ouais. un beau joueur, du coup, parce qu'on a vraiment, je pense qu'on a une division entre beauté et efficacité. Parfois, il y a des joueurs qui réussissent à allier les deux, comme Roger Federer, on va en reparler d'ici quelques instants. Donc, ma définition, c'est un joueur dont les prouesses et la fluidité masquent les efforts accomplis. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'effort, on ne voit pas le travail dans un joueur qui est beau, qui est fluide. Et typiquement, Roger Federer, où beaucoup de personnes se disaient, ouais, c'est naturel, c'est instinctif, il n'a pas besoin de travailler. Bah, c'est faux, c'est faux. Il travaillait d'arrache-pied avec Paganini. On sait que c'est un joueur qui était très, très bien préparé. Ça moulinait très fort au niveau des jambes. Souvenez-vous, en 2017, quand il revient de sa blessure et qu'il est out pendant 6 mois, ça mouline comme jamais. Il est collé à la ligne, il frappe en demi-volée. Et pour pouvoir le faire, il faut une condition physique irréprochable. Donc, le génie de Roger, c'était de masquer tout ce travail derrière un attelage après, super beau. Je te rejoins sur la façon de frapper la balle et de ne pas faire d'effort. C'est-à-dire que si de donner l'impression de ne pas faire. C'est que ta technique est plutôt bonne. Mais là, je suis désolé, mais techniquement parlant, si on prend les bouquins, la base, le revers de Roger Federer n'est pas bon techniquement. N'est pas bon, mais est-il beau? C'est ça, la subtilité, elle est là. Il est plutôt beau, mais techniquement, dans les bouquins, on n'explique pas le revers de Roger Federer comme ça. Parce qu'en fait, il a une tête de raquette qui est très haute, donc ça veut dire qu'il a un parcours qui est très, très grand pour aller à l'impact de la balle. Dans les bouquins, ce que disent... Voilà. Mais là, t'es plus sur la performance, sur l'efficacité. Oui, mais moi en tant que joueur, en tant que prof, je regarde ça. Mais là, je parlais vraiment de la beauté. C'est pour ça que je t'ai pas mis... On verra après, ne spoil pas. Mais après, voilà. C'est effectivement, je rejoins quand même ce que dit SV, mais c'est toujours le paradoxe de, voilà, le fameux qui est le GOAT et la technique. C'est subjectif aussi. Non, mais parce que pour toi, quand c'est performant, c'est forcément beau. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont à 15-2 qui ont une très belle technique, hein. Moi, j'entraîne des petits qui sont à 4-6, qui ont une très belle technique. Tu parles de moi. Non, mais exemple, Benoît. Oh bah. Eh ben, non, mais il a technique, une technique. Benoît. Non, il a une technique à l'ancienne, très propre. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas une bêtise. C'est beau à regarder. Ah bah. Mais ouais, mais c'est pour ça que je te dis qu'à un moment, c'est subjectif mais après. Mais c'est ça le problème. C'est ça le souci. Le beau. C'est oui, totalement subjectif. Est-ce que Benoît est beau, est-ce que je suis beau? Mais on s'accorde à dire. Tu peux rien dire. Vous êtes beau. Non, mais c'est pas ça. Non, mais on a quand même des joueurs où tout le monde est d'accord pour dire OK, mais c'est beau. Oui, il y a des évidences. C'est peut-être pas performant, mais c'est beau. Mais comme Medvedev, quasiment Moussetti, tout le monde dit que c'est beau. C'est pas efficace. C'est une belle technique. Bah voilà. Ben oui, je. Mais c'est ça là que je voulais définir, la belle technique. Oui, mais c'est super subjectif parce que regarde, on n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes beaux. Sur le top. Donc il y a certains joueurs quand même. Mais toutes les techniques sont bonnes. Belle. Mais belle, ça veut rien, ça veut strictement rien dire. C'est ce qu'on essaye de définir. Donc pourquoi ça veut rien dire? Ça veut strictement rien dire. Moi, je pense qu'il y a effectivement des techniques qui s'imposent comme la beauté, c'est subjectif, c'est clair et net. Mais pourquoi il y a des tableaux de grands maîtres qui traversent les âges ou des joueurs qui nous ont marqués comme ça et immédiatement on a cette sensation de, oh, il se passe un truc avec ces joueurs. C'est parce que la beauté, elle s'impose à nous. Attends, mais parce que là, on parle de quoi? On parle du visuel? Où tu me parles du joueur sur le court qui va réussir à gagner, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de gagner. Donc après, ta technique, la technique, elle est au service du jeu. C'est pas la technique, elle fait pas tout. On s'en rend compte d'ailleurs à voir les matchs tout au long d'une année, à voir tous les joueurs différents et les joueuses différentes. Tu te rends compte que la technique fait absolument pas tout. Elle est au service de ton jeu, de ton intention de jeu. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'on voit Daniil Medvedev, c'est vrai qu'on se dit c'est pas possible, sauf que le mec, il est injouable. Et c'est ce que on revient sur un truc où il a ses plans de frappe toujours au bon endroit. Il frappe au bon endroit. Mais après je rejoins effectivement, si on parle un peu subjectivité et essayer d'allier un peu les deux, je reviens sur ce que dit SV, effectivement pour moi une belle technique aussi, c'est un joueur qui va pas faire d'effort et qui va quand même faire avancer Marc la balle. Marc me dit la beauté n'est pas l'efficacité. Voilà. C'est là-dessus que je voulais aller, tu vois. Là, on parle performance, efficacité. Ah, mais la beauté n'est pas... Alors ça, je suis tout à fait d'accord. C'est la question. Mais après, le problème, c'est que
J'ai presque envie de dire qu'un mec comme Federer a foutu en l'air des années d'éducation tennistique dans les clubs, ou même après, tu vois, je me souviens de Gilles Simon, il en avait parlé dans son bouquin, ouais, auprès de la fédération, parce que tout d'un coup, tu te dis, on est tous attirés par le beau. De toute façon, voilà, on a envie d'être beau sur un court de tennis, tu vois. Mais toujours est-il que bah, tu ne peux pas être Federer. Mais à un moment, bah, tout le monde a vu Federer gagner, c'était le GOAT, le mec, c'était absolu, c'est James Bond. Donc tout le monde veut ressembler à James Bond. Tu veux ton dry martini, tu veux aller jouer au casino et gagner, avoir ton Aston Martin et tout ça. Tu veux ça. Sauf qu'à un moment ou à un autre, après, voilà, tu avais les jeunes qui étaient sur un court. Non, il faut que tu joues comme Federer, il faut que tu aies ce beau revers à une main. Du relâchement. Du relâchement, de la fluidité, c'est sublime et tout ça, il faut jouer comme ça. Mais non, justement, non. Chacun va avoir sa technique, qu'elle soit belle ou pas belle. On s'en tamponne. Le but du jeu, c'est quand tu fais du sport, c'est de gagner. Parce que la belle technique n'est donc pas nécessaire. Non, alors, moi, je vais te dire, en tant que prof, j'ai des enfants qui sont entre là, on va dire, 14 et 16 ans. Je ne touche pas à leur technique. Parce qu'ils ont commencé à l'âge de 5-6 ans, ils ont leur propre technique. Par contre, moi, je les amène à travailler dans un style de jeu, un style de frappe, qui, moi, leur permettra de bien frapper, d'être plus fort et d'être meilleur. Mais, alors, mis à part s'il a une prise comme ça, des courroies comme ça, oui, mais naturellement, j'aime pas toucher parce que c'est leur truc. C'est la façon. C'est leur instinct. C'est instinctif. Voilà. Oui. Par contre, au niveau du service, là, il y a une demoiselle que j'ai qui a zéro, je lui ai complètement changé son service parce qu'elle avait un gros souci. Mais dans le jeu, non, je touche pas à la technique parce que c'est naturel, c'est l'instinct. Maintenant, tu peux faire travailler des choses différemment pour des prises de balles, pour des effets, pour des zones. Tu vois, c'est très bizarre, parce que quand Tony Nadal parle beaucoup, là, depuis quelques années, depuis qu'il a arrêté avec Rafa, on connaît toute l'histoire, mais tu vois, quand il parle encore aujourd'hui, il te dit, en fait, j'ai peut-être fait une connerie d'avoir amené Rafa sur la main gauche, alors qu'il aurait peut-être été plus efficace sur la main droite. Parce que naturellement, il est droitier. Pas sûr. Et en fait, mais pourquoi il dit ça, quoi ? Alors que justement, le fait que Nadal soit gaucher, c'était pour moi, je trouvais que c'était un avantage. Ah bah ouais. Et donc là, il est en train de te dire que, bah non, finalement, il aura. Donc tu te dis, attends, le mec, il aurait pu jouer carrément avec les deux mains. Et c'est vrai que quand tu joues avec ces dingues-là, ils sont capables de changer de main assez rapidement. Alors, rappelle-toi Arnaud Clément qui s'était blessé. Arnaud, il jouait 5-6. Ouais. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Ma plus grosse doudoune. J'étais 15, j'avais joué à 34, j'ai pris 0 et 0. À 34 ? Ouais, contre un mec qui jouait des deux mains. Mais il y a un gamin, y a un gamin qui fait Spider-Man. Ça. C'était Spider-Man. Le mec, il avait été 2-6. Hein, il avait été 2-6, ah, il avait okay. complètement mais répété. Mais ça, c'est les sous-marins. Mais il jouait, on il jouait des deux mains. On les connaît. Et j'étais jeune, j'étais 15, j'avais 13, 14 ans. On les connaît. Tu sais, mais le truc du beau, c'est ça qui est très étrange. Je pense que c'est très européen du Sud, et encore peut-être pas l'Espagne. Je mettrai l'Espagne de côté, parce qu'il y a l'historique Nadal, enfin les Ferrero, tout ça, les joueurs, les Moya, qui étaient quand même des joueurs assez violents dans... Pas esthétique, quoi, on va dire, dans l'absolu. Nadal, pas belle technique. C'est un truc à mais français, c'est pas esthétique. Non, j'avais un débat comme ça. Oui, mais c'est pas esthétique. Père, tu vois, c'est pas James Bondien. On est en... Après, mais après, tout dépend comment on définit le beau. Il y a plusieurs types de beauté. Il y a la beauté fluide, facile. C'est ça qui est passionnant. Et la définition qu'on a avancée en début d'émission. Mais il y a aussi la beauté physique, la force. La brutalité, les appuis solidement ancrés sur le sol, les transferts très importants, comme Nadal. Alors, est-ce que Nadal est beau dans le sens fluide? Pas vraiment, mais il est beau dans le sens animalité, physique. C'est une forme de beauté, quelque part. Ah, bien sûr. Très souvent, on dit les joueurs français ont des belles techniques, mais pour moi, ceux qui ont les plus belles techniques dans le tennis, quel pays ce sont les, beaux joueurs, les joueurs des pays de l'Est. Revers à deux mains très à plat, très fluide. Tu République prends des Tchèque. Berdiches. République voilà, tu prends les que ce soit garçon et fille, hein, parce que là on parle beaucoup des garçons, mais que ce soit garçon et fille, l'école de l'Est, tchèque, ouais. Les berdiches, les Lechka, les Navratilova. Ça vient de toutes ces spécificités par pays. Je pense que ça c'est l'apprentissage de la surface. C'est qu'eux ont toujours très vite joué sur des surfaces en dur, et puis ils ont toujours eu des références de joueurs qui jouaient comme ça. Messire, à deux mains. Messire était un joueur, on l'appelait le chat, était hyper élégant. Un Sébastien Corda, c'est magnifique. Tu vois, donc, par contre, tu prends ces spécificités-là, les joueurs sud-américains ou espagnols jouent beaucoup plus avec des prises liftées, les Américains jouent différemment aussi. Après, tu rentres dans l'aspect de la raquette, parce qu'ils mettent le plomb, ils ont des équilibres de raquette qui sont différents, des surfaces d'apprentissage qui sont différentes. Mais pour moi, les pays de l'Est et dans la globalité, les joueurs tchèques et les joueurs tchèques, pour moi, sont les meilleures techniques. Mourova, actuellement, c'est sublime sur le tennis féminin. Elle a vraiment un magnifique tennis. Quoi. Si on peut essayer de généraliser ça, moi, dans mon esprit, hein,
Je te dirais que quand tu parles États-Unis, pays de l'Est, on est, tu peux faire n'importe quoi avec ta raquette, ta préparation, ton geste. Ils s'en foutent, c'est l'efficacité qui va être le mot d'ordre. Alors que si tu vois, si je parle de la France et de l'Italie, on va être dans l'esthétisme. C'est ça. Peut-être moins dans l'efficacité. Enfin, dans les écoles de tennis. Ou... C'est pour ça que je te dis que moi, je ne touche pas aux techniques. Je veux pas, parce que c'est ancré, c'est leur truc. Après, tu fais travailler différemment, tu fais évoluer les joueurs et les joueuses, mais c'est toujours subjectif. Mais après, c'est historique. Certains pays ont des obsessions, il y a vraiment des obsessions dans la formation. T'en as parlé avec le livre de Gilles Simon qui blâmait un peu l'effet Federer, qui a influencé la formation française d'après ses dires, hein, de vouloir vraiment avoir le beau au centre, peut-être un petit peu au détriment de l'efficacité, et aussi de ne pas se préparer spécifiquement à la terre battue pour essayer de remporter Roland-Garros dans notre propre pays. Il y a aussi des connexions entre la Russie et l'Espagne, on le sait. Rublev, Khachanov, Safin, ils se sont formés en Espagne parce qu'il y a ce tennis après, tu vois, regarde, physique. Je te prends, pas pour me la péter, je prends mon exemple. Pourquoi, à la base, j'ai eu un revers à une main quand j'étais très petit ? C'est très simple, j'ai appris à jouer au tennis sur surface méga, méga, méga rapide, qui était de la moquette. Mon prof, qui était à moins 15, qui avait un magnifique revers à une main, j'ai fait revers à une main. Par contre, quand j'ai quitté le nord de la France pour aller à Montpellier, et j'avais 10-11 ans, je suis arrivé sur terre battue, et j'ai pris que des doudounes. Parce que c'était un style, je ne connaissais pas. Ouais. Et automatiquement, étant un peu frêle, pas très grand, quand tu joues des adultes, et qu'un revers à une main, il a fallu que je m'adapte un petit peu. Donc tu vois, c'est vraiment aussi, à la base, aussi la surface à laquelle t'apprends, quoi. Mathéo sur YouTube nous dit, mais je ne comprends pas, on veut la technique la plus esthétique, ce qui est subjectif, ou la technique parfaite pour gagner, pour être performant en théorie. Est-ce que la belle technique est nécessaire pour être efficace ? À un moment ou à un autre, il faut quand même... C'est ce que je dis, c'est le paradoxe de Medvedev, c'est ton plan de frappe. C'est à quel mais moment on peut pas tu dire qu'il a une belle technique. Ah ben non, c'est l'est. Moi, non, c'est ça. Je sais, c'est pas beau. Académique. Il n'y a rien qui va. Non, mais il a le coup. Pour moi, un joueur, je ne l'ai pas mis dans mon truc, qui avait une magnifique technique, que ce soit coup droit, revers, un Pablo Cuevas, dans les livres et dans l'éducation, avait une technique magnifique. Magnifique, mais ça n'a pas... Enfin, magnifique carrière de Pablo Cuevas. Oui, non, mais il a été 14, mais tu vois, est-ce que ça te permet d'être ultra performant? Après, ta technique, dans des moments difficiles, sur des balles compliquées, là, la bonne technique te permet de t'en sortir. Je trouve qu'on... Tu vois ce que je veux dire? On retrouve souvent les joueurs techniques sur le gazon, c'est le gazon qui est un peu le révélateur, ou en tout cas qui l'était. Parce que c'est une surface qui va davantage exposer la technicité, et c'est pour ça que Roger est le meilleur joueur de l'histoire à Wimbledon, que Novak aussi, avec une forme de technicité différente, du coup, a gagné beaucoup de Wimbledon. Le meilleur joueur à Wimbledon, faut y aller doucement, là, sur le côté Federer. Ben on a fait un vague, justement, sur ce sujet. Maintenant, si on prend un niveau moindre, un Richard Gasquet posait son jeu hyper facilement sur gazon, parce que c'est un joueur talentueux et qui a une super main. Mais effectivement, le gazon fait que... Mais c'est l'histoire du tennis. Le tennis a grandi sur le gazon. Toute l'école australienne des années 60, c'était des gestes très purs, très simples, parce qu'il fallait jouer vite, il fallait avancer. Tu jouais, deux, trois frappes du fond du court. Le reste du temps, tu venais au filet, tu avais un bon service, mais tu ne jouais pas du fond. Et puis là, après la terre battue est arrivée, et là, on en est arrivé avec des surfaces hyper ralenties. Donc, tu es obligé de pouvoir jouer des dizaines, des vingtaines, des trentaines de frappes du fond du court. Donc après, là, on ne demande pas d'être beau, on demande d'être suffisamment costaud du fond du court pour pouvoir envoyer la balle 150 fois, enfin, une fois de plus que ton adversaire. Répétition. Ouais, c'est la répétition. Ça, c'est typiquement là, ce que vous décrivez, c'est Daniil Medvedev. Hein. C'est un joueur qui est capable de frapper 10, 12, 15 fois dans la diagonale revers, d'épuiser son adversaire en face. Et si l'adversaire a un revers à une main, typiquement Stefanos Tsitsipas, il sait que s'il enchaîne les séquences dans la diagonale, à un moment donné, ça va péter. C'est ça. Donc on est désormais dans un tennis de répétition. Répétitif. Et des techniques comme Daniil, qui ne sont pas forcément pas du tout les plus belles, les plus esthétiques, ce sont les plus efficaces. Donc l'idéal, c'est d'allier les deux, mais je trouve que désormais, on est peut-être plus sur l'efficacité que sur la beauté. C'est rare d'avoir allié les deux. J'ai souvenir d'une phrase de Justine Hénin lorsque Federer a pris sa retraite, qui avait dit « Je pense que le tennis de Federer est le plus beau qu'on ait connu, un tennis sans effort, tellement naturel et élégant. » Oui, mais tu vois, elle le dit, sans effort. Sans effort. Ça me permet de venir à cette question. Est-ce que c'est le dernier beau joueur, Roger Federer, le dernier artiste, celui qui a allié beauté et efficacité, beauté et performance? J'ai fait un petit sondage pour avoir l'avis de nos amis qui nous regardent sur YouTube et qui nous écouteront en podcast. Oui ou non, c'est le sondage. Benoît, je suis curieuse. Je suis curieuse de voir. Ouais. C'est un bon petit thème, ça. Je suis très curieux de voir ça parce que là, moi, tout de suite, j'ai une réponse. C'est non. Et je pense à Carlos Alcaraz. Parce que je trouve que Carlos Alcaraz, il a tous les outils du tennis, mais
il a ce, peut-être le côté un peu physique et fort qu'on voit, évidemment, beaucoup plus que chez Roger. Mais je trouve que Carlos Alcaraz, dans cette nouvelle génération, c'est un joueur qui est merveilleux parce qu'il est capable de tout faire et il le fait à bon escient. C'est pas, par exemple, il va faire des services volés sur deuxième, service kiki, il avance, des services amortis, toute cette variation. Il l'a fait dans le sens de l'efficacité et je trouve ça prodigieux de pouvoir le faire à son âge. Après, ce qui est hyper important, comme on, sur l'aspect bonne technique, c'est d'être complet. Un Dani Medvedev n'est pas complet. À la volée, c'est pas là où. Ouais, c'est dur. Et une bonne technique, c'est là où, comme je reviens à ce que je disais, c'est sur les moments où tu es un peu dans le dur, où c'est une balle difficile, où c'est là où la technique, ta bonne technique te permet de s'en sortir. Non, mais... Enfin... Donc, quoi ? Non, mais en plus, par rapport à toi, t'es, en fait, t'es dans l'animalité, toi. En fait, t'es plus dans l'animalité. Non, mais tu peux pas, tu peux pas. On a tous été d'accord pour dire que Federer, qui joue au tennis à son prime, il n'y a rien eu de plus beau. Quoi. Non, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien. Enfin, c'était une... Enfin, tu regardais ça, justement, où là où il n'y avait plus aucune expression d'effort. Ah oui, et là-dedans, on oublie toute la technique de déplacement, la technique de contrôle des émotions, la technique de visualisation. On oublie tout. On regarde un mec qui fait une œuvre d'art. Quoi. C'était, voilà. Enfin, ok, je suis pro Federer, mais toujours est-il qu'à un moment ou un autre, moi, quand je voyais ce mec jouer, c'était un tableau. Quoi. Je me mettais au Louvre, je regardais ça. Je ne parle pas de technique, je ne parle pas gagne des matchs où il est père. C'est simplement le fait de dire c'est ouais, beau. Ouais, mais tu vois, on fait le paradoxe. C'est subjectif en plus. Pour moi, c'est beau, mais après. Tu fais le parallèle. Je reviens sur la finale de Wimbledon, Federer, Djoko, quand il a ses deux balles de match. 2019. Légendaire. La technique de Djoko est monstrueuse aussi. Et là, t'as celui qui a été. Ah non, mais je te parle pas de technique là. Là, je te parle de beau. Oui, et ben, il est beau Djokovic quand il joue. Ah, mais... T'as l'impression qu'il fait pas d'efforts, il est toujours gainé. Il fait des grands écarts faciaux, il va te faire des trucs. Tu sens un peu des efforts. Des fois, il fait des espèces de mimiques de comédia dell'arte. Ouais, ouais. Il y avait pas ça chez Federer. C'était une statue grecque Federer quand il jouait au tennis. Ouais. Il y avait rien. Par contre, je suis vraiment en fait dire le dernier beau joueur, ça m'embête un peu parce que ça fait genre ouais maintenant le tennis de ces 10-15 années. Beau, non mais le beau, le côté. Bah, son prince, c'était beau aussi. Hein ? Son prince, c'était beau. Mais après, c'est pour ça, quand tu m'as demandé, moi, le top 3 des beaux, j'en ai 150 000 des beaux. Ouais. Mais encore une fois, tout ça, c'est subjectif. Il y a quelqu'un qui va te dire, bah non, moi, je préfère Djokovic, ou je préfère Nadal, ou je préfère Rios, ou je préfère McEnroe, tu vois. Je suis d'accord dans le chat, Djokovic, justement, qui continue à nous regarder. Ah, mais ça l'intéresse. Mais il dit, en fait, en gros, pic Federer, quoi, 2004-2007, c'est vrai qu'avoir vécu ça... En direct, avoir tout vu tous les matchs, les 90 matchs, c'était somptueux. Quoi. Je pense que pour faire ça, il faut des critères. C'est la beauté gestuelle, ça c'est un premier truc. La beauté efficacité, tu vois, il faudrait mettre des critères. C'est comme tout le fameux discours qui est le meilleur entre Nadal, Djokovic et Federer. C'est subjectif. Il y a des gens qui... Benoît va aller plus sur le côté un peu élégance. Non, mais Zvé va aller plus sur la partie un peu. On avait centré ça sur la technique, donc, c'est pas subjectif. Enfin, je veux dire, Medvedev, on est tous d'accord pour dire que techniquement, on trouve pas ça beau. On est tous d'accord. Mais là, oui. Mais c'était ça. Mais bah, t'en as eu plein qui avaient des. Après, dire que la beauté égale l'efficacité, non. Enfin, pourri. Encore une fois, non, il n'y a rien qui est pourri. Enfin. À partir du moment où les mecs sont capables de faire ça, ça veut dire qu'ils ont une capacité de synchronisation qui est complète. Quand tu vois Medvedev, c'est aberrant de se dire que ce mec-là, quelle que soit la situation, va avoir un bon plan de frappe, pardon. Ouais. Alors qu'il est en retard, surtout, t'as l'impression qu'il va pas y arriver. Il va te la mettre sur une pièce de 2 euros, 10 fois de suite quasiment. C'est complètement fou. Donc c'est monstrueux. Pourquoi on regarde du tennis aussi ? Il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui nous amène à regarder du tennis ? C'est un spectacle à la base. Et un spectacle, ça doit être divertissant. On doit trouver des choses, des émotions. Un joueur qui est beau à regarder, il te procure des émotions. Un joueur aussi comme Daniil, qui, au niveau périphérique, avec ses excès, etc., ouais, il y a un truc sympa aussi à regarder. Donc. Chacun, en fait, je trouve, a ses raisons de regarder du tennis. On est venu à ce sport via différentes portes. Certains la pratiquent, d'autres regardent avec les parents, etc. Mais parfois, en fait, il y a des évidences. Il y a des joueurs où tu te dis, c'est évident que c'est captivant. Mon top 3, tu as deux revers à une main, parce que j'ai un revers à une main et un revers à deux mains. Parce que je trouve ça... Là, on part sur un débat très précis. Qu'est-ce qui est plus beau ? Un revers à une main ou un revers à deux mains ? Un revers à une main. Ouais. Alors là. Quel est le plus efficace ? Aujourd'hui, c'est le demain. Mais voilà, tu vois. Ouais, mais aujourd'hui, moi, ce que je dis à chaque fois, tu sais ce que je dis ?
Moi, mon proverbe, c'est les besogneux. Oh là là, il est là le proverbe. Non, les besogneux, oui. Les besogneux jouent à deux mains, les talentueux jouent à une main. Voilà. Les besogneux jouent à deux mains, les talentueux jouent à une main. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un revers à une main qu'à avoir un à deux mains. Bah une deuxième main. Donc de base, tu peux t'aider, c'est un peu plus simple. Maintenant, on est dans le pragmatisme. Voilà. Non, mais tu vois, qu'est-ce qui est plus beau ? On parle de beau. Ouais. Ce qui est plus beau, un revers. Nous, on n'a pas dit que beau égale efficacité ou performance. Oui. Et encore une fois, mais tout ça, c'est il y a une telle évolution de toute façon. La première fois qu'un mec a servi au-dessus de l'épaule à Wimbledon en 1800 et quelques, c'était affreux, c'était pas possible. T'as pas le droit de faire ça. Il a pris des tomates. Laid. Alors qu'avant, on servait à la cuillère. Aujourd'hui, quand un mec sert à la cuillère, mon Dieu, c'est un scandale. Enfin, tu vois, toujours est-il, encore une fois, moi, le beau ne rentre absolument pas en ligne de compte. À partir du moment où le mec est efficace, tu peux faire ce que tu veux. On a fait la connerie du siècle avec Gianni Minna de vouloir lui changer toute sa technique parce que ça ne pouvait pas y arriver, tout ça. Son coup droit qui avait une prise aberrante. Mais bon, ils ont voulu complètement déstructurer son jeu instinctif. Et pourquoi ils ont voulu changer à ce point-là ? Parce qu'ils ont estimé que techniquement... Il ne pouvait pas, il avait un palier. Alors que c'était pile au moment où, rappelle-toi, il joue Wildcard à Roland, il joue Murray sur le Langland, on était en haut. Et il fait un super match contre Murray. Certains coachs ont estimé que son coup droit, sa prise et sa façon de frapper allaient le bloquer, donc ça lui a complètement... Mais après, il y a des exemples aussi qui ont été bons. Tiens, Edberg était revers à deux mains au départ, et ils l'ont amené à un revers... Sampras aussi, ils l'ont amené à des revers à une main. Donc tu te dis, bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Parce que le revers à une main, c'était la technique des attaquants. Désormais, là, maintenant, en 2020 et plus, on se rend compte que la prime, elle est aux joueurs qui n'ont aucune faiblesse manifeste. Quoi. Puis je vais te dire, de plus en plus... on verra de moins en moins de revers à une main. C'est sûr, c'est sûr. Il y a 10% de revers à une main dans le top 100 actuellement. C'est une certitude. Bah, sauf s'ils remettent des services rapides. Parce que on en parle, mais la répétition du coup, la lourdeur des balles, quand très basique, tu joues un revers à une main et tu as 4 fois la balle au-dessus de l'épaule, je peux dire que tu as intérêt à en avoir. Et pourtant, il y a quand même de l'épaule là. Et là, tu commences à rater. Stan Wawrinka l'a fait une fois contre Rafa Nadal à Roland, c'est tout, point barre. Un revers à une main ne peut pas battre, quand il n'est pas blessé, Nadal sur terre battue. C'est Stan, le triptyque là, à l'Open d'Australie, ouais. Stan-Novak. Stan, il tient dans la diagonale. Roland-Garros en 2015, en finale, il tient dans la diagonale et en revers long ligne. Il y a eu Stan. Il y a eu Tim, Roger, il déployait des caractéristiques différentes. Mais quand tu regardes le nombre de matchs, il faudrait regarder. Le nombre de matchs qu'a fait Nadal contre revers à une main sur terre battue. Oh bah, il les a tous explosés. Ou même dans il a perdu contre Roger, quoi. Voilà. Et encore une fois, deux fois sur terre battue. Hein. Donc, j'ai demandé à nos consultants vedettes de faire leur top 3 des meilleures et des pires techniques de joueurs. J'ai hâte de savoir ce que vous avez fait. On va commencer par le top 2, Benoît Mélin. Tes meilleures techniques, selon toi, les meilleures techniques de Benoît Mélin. Meilleure technique ou plus beau, c'était quoi la définition ? Plus beau. Ah non, c'était le beau, c'était le beau. C'est vrai, c'est vrai. Après, la technique, encore une fois, comme on l'a dit, c'est très compliqué. Moi, il y a un truc, on va le voir ou pas ? On va le voir, on va l'afficher. Il y a un synthé qui arrive. Ouais. Moi, de toute façon, c'est Federer. Je ne peux pas enlever Federer pour moi. Voilà, j'ai jamais vu... Il m'a stupéfié, quoi, quand je l'ai vu jouer au tennis. Voilà, je me suis dit, c'est beau, quoi. C'est tout simplement beau parce que je ne vois pas d'effort et c'est d'une élégance folle. Mais après, j'en sais rien. Après, tu vois, moi, j'ai mis Borg aussi parce que Borg, quand il arrive dans les années 70, tout, c'était impressionnant. Ce revers à deux mains, cette capacité. Il avait un dos. Il avait le dos de Nadal. Hein, c'est le premier qui avait un dos complètement parfait, quoi. Comment il se déplaçait aussi. C'était fou. C'était beau. Et là, on parle de mecs voilà, qui ont gagné 20 grands chelems, 11 grands chelems. Et après, je te mets Edberg, bien sûr. Parce que moi, quand je voyais Edberg, mais c'était beau. Mais je ne te parle pas de la technique. Là, je te parle de la beauté. Oui, mais parce que ce qui dégageait. Sa fluidité de monter au filet, son truc. C'était sublime. Ouais, mais son espèce de coup droit où il faisait un truc comme ça, ben non. Pas beau. Oui, mais après, c'était le fait de le voir jouer. Mais après, tu vois, là-dedans, tu vois, je réfléchissais. D'ailleurs, je l'ai mis, tu vois, quand on a parlé. J'ai mis aussi Mechir, que j'ai trouvé... J'adorais Mechir. J'ai adoré Nalbandian. À un moment, tu vois, on était très mecs, mais j'étais figraphe, moi, quand elle jouait. Je trouve ça absolument sublime. J'avais l'impression de voir une danseuse, un petit rat de l'opéra, là. Ça dansait dans tous les sens, c'était léger, c'était beau, quoi, ce qu'elle faisait. Mais il y en a plein comme ça. Les rafters, mais si, rafters, c'était sublime. C'était plus bestial. Le service avec le dos. C'était beau. Sabatini, j'adorais Sabatini quand elle jouait au tennis. C'était beau. Mais c'est totalement subjectif. C'est vrai, soyons plus précis. Henri nous dit, mais un coup, vous dites que technique, c'est pas égal à beau. Un autre coup, vous employez les deux termes pour désigner la même chose.
Moi, pour moi, beau, je ne mets pas la technique dedans. Oui, mais si, mais c'était le sujet, enfin, c'est la question du jour. Non, mais si tu aimes Federer, c'est aussi parce que techniquement, tu aimes les gestes, tu aimes ce qu'il fait. Beau, ça peut être via la technique. Subjectif. Ça peut être via la technique, mais c'est pas que ça. Beau, ça peut être le port, ça peut être l'attitude, ça peut être certaines portions, certains pans dans un jeu, l'accompagnement, le bandeau, le physique. Enfin, le beau, ça prend plein de choses. La technique est une partie du beau, je pense. Je crois que c'est peut-être la sudation aussi, parce que je suis en train de me rendre compte que les trois, là, ils ne suaient pas. Hein. Allez, point, Julien Barlet, vous allez voir son top 3. Après, moi, j'ai mis. Je leur ai demandé top 3 plus belle technique. Hein, un revers à deux mains, deux revers à une main. Oui, c'est vrai. T'es parti là-dessus. Bah, on va l'afficher, le top de Julien Barlet. Rio, c'était bien aussi, hein, c'est vrai. Bah, moi, j'ai mis Corda. Le fils, hein. Ouais, oui. Pas Petre. Ouais. Pas non. Hein. Dimitrov, on en a Sébastien pas Corda. L'élégance, t'as l'impression. C'est pareil, Dimitrov, tout le monde est d'accord pour dire que Dimitrov, c'est hyper élégant. Dimitrov, que c'est beau. Effectivement, à un moment, on a fait le parler avec Federer, il se rapproche. Mais oui, c'est beau. Voilà. Pour moi, c'est une belle technique. Bah justement, Dimitrov, c'est un peu Federer, mais sans. Mais pour qui c'est pas une belle technique, quoi. Dimitrov Comment Pour qui c'est pas une belle technique, Dimitrov? Bah là, je pense qu'on touche tout le monde. Ah voilà. Et après, en fait, moi, j'ai pris le top 100. Et après, effectivement, tu vois. Un joueur que les gens connaissent moins, mais Altmaier, pour moi, une magnifique technique. Magnifique revers à une main, belle amplitude côté coup droit, voilà. Donc, mais c'est. Voilà, mais après, moi, je reste, tu vois, je suis parti comme un peu plus de revers à une main que de revers à deux mains. Tableau étonnant, nous dit Lumière. SV, il a mis Roger aussi en numéro 1. Donc j'ai Roger. Alors j'ai donné un top sans ordre, hein, mais j'ai mis Roger. Moi, Sampras, c'est mon amour d'enfance, hein, bien sûr. Et ce qui me plaisait le plus dans son jeu, c'était son service. Il y a quelque chose d'inexpugnable, quoi. C'est inébranlable. C'était un service d'anthologie, pour moi, le plus beau service de tous les temps. McEnroe, c'est hyper clivant. Je sais, parce qu'on verra avec Benoît après. Parce qu'en fait, on avait fait une séance vintage sur Twitch il y a 2 ans, et dans le chat, il y avait 50% de McEnroe, c'est magnifique, c'est super, c'est sans effort, c'est sur le ventre comme ça, le petit revers. Ouais, et d'autres qui étaient là, mais c'est quoi cette horreur là, ouais, quoi, ce truc. Après, en tant qu'entraîneur, tu peux pas être. Tu prends pas McEnroe comme exemple pour apprendre à jouer au tennis. Il a qu'une prise. C'est un joueur unique. C'est unique. Ouais. Je suis désolé de te dire, et c'est pas beau. Mais c'est comme Medvedev. Tu peux pas dire à un gamin, tiens, tu vas jouer comme Medvedev. Voilà. C'est impossible. Et le service de McEnroe. Oui, mais c'est pas. Le mec, il fait 2 services, il a une scoliose. C'est pas une question. C'est pas une question de beau. C'est-à-dire qu'ils sont construits. Un jeu instinctif qui est absolument incopiable. Parce que personne ne peut jouer comme ça. C'est vraiment ça. C'est au fin fond de toi, quoi. Quand t'es gamin, tu prends ta raquette, tu fais ça. Lui, il n'a pas une belle technique, tu vois. C'est un truc qui revient tout le temps dans nos phrases. Donc, on est capable de dire s'il a une belle ou pas belle technique. Est-ce que ça. C'est pas parce que t'as une mauvaise technique que t'es pas performant, au contraire. McEnroe, moi, le côté beau, c'est quand il arrive à la volée. Je crois que ça participe à la beauté d'un joueur d'avoir des beaux gestes. Sa qualité de volée, moi, c'est la qualité de volée qui me sidère et que je trouve beau. Ouais, la main, exactement, la main. Et la main de McEnroe, elle est quasiment intouchable. On passe au style peu académique maintenant. Benoît Mélin. Après, la main de McEnroe, mais tu vois, si tu parles de McEnroe, tu peux mettre la main de Manarino. Tu peux mettre la main de Gasquet. Ce sont des mains extraordinaires. À la volée Manarino. Mais je ne te parle pas de la volée, mais même sa façon de jouer, si tu n'as pas une main extraordinaire, un œil extraordinaire, tu ne peux pas y arriver. Surtout quand tu tends un 9. Et quand tu tends un 9 kilos. Tu vois, mais après. McEnroe tendait un 9 kilos. Et là, je viens de Bercy, il était à l'échauffement avec Demi-Nord. Tu as l'impression qu'il est là. Il est tout le temps à l'échauffement, Manarino, on a l'impression. Belle technique, Manarino. Bah, c'est pas une. Si une belle technique, c'est une technique qu'on utilise pour apprendre à des jeunes, ben non. Tu peux pas. Hein. Son revers, si. Parce qu'il vient bien se coucher sur la belle. Mais son coup droit avec sa petite préparation. Logiquement, quand tu fais un coup droit, il faut potentiellement qu'il y ait une boucle, tu vois. Mais bon. Est-ce que ça doit nécessairement faire école? Est-ce qu'un joueur beau doit nécessairement avoir une école de formation qui va s'inspirer de ça? Moi, je ne trouve pas. Roger, on a essayé de le copier. Impossible de copier Roger. Impossible de copier McEnroe. Quand tu prends les jeunes joueurs de cette génération-là maintenant, ils jouent tous avec des prises très liftées. Des revers à deux mains, parce qu'ils ont tous appris avec du Nadal, ils sont inspirés de Nadal. C'est très beau avoir joué Tsitsipas. J'aime pas son slice. Ah non, son slice, c'est horrible. Mais il fait un truc comme ça, j'aime pas. Actuellement, moi, je trouve que c'est Novak hein, qui. Il y a une porosité dans son jeu, dans ses défenses en extension. On le voit chez Sinner, on le voit chez Félix Auger-Aliassime. Je pense qu'il fait un petit peu école dans son style. De toute façon, c'est le meilleur, donc pourquoi pas aller vers lui. Mais tu fais. Ouais, mais eux, ils font pas école. C'est les profs derrière. Moi, à mon époque de Louis XIV,
quand les profs, c'était le revers à une main. On jouait déjà de toute façon sur soit du parquet, soit des surfaces ultra rapides. Et donc, on apprenait voilà, des gestes. La belle boucle en coup droit, le beau service, le machin, le truc, la volée. Là, aujourd'hui, bien évidemment, qu'un gamin, il arrive, ils sont fous d'avoir un revers à une main. Il sait qu'il ne gagnera jamais. Donc, il veut du revers à deux mains, il veut du gros livre. Mais il veut jouer comme son idole. Et son idole, ça va être quoi? Ça va être Novak? Peut-être Alcaraz, là, maintenant. Mais il va vouloir peut-être voilà, bien sûr, copier. Tirer vers ses choix. Mais arriver avec le bandeau au club. Voilà. Le top peu académique de Benoît Mélin, on va le voir maintenant. Ah ouais, ouais. Donc moi j'ai mis... Moi c'est McEnroe. T'as vu, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est cool du coup. Ça, c'est, moi, quand la première fois que j'ai vu jouer McEnroe, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait que c'est que ce truc quoi. Ah ouais, c'est un ovni. Hein. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Alors encore une fois, c'est laid dans l'absolu. Et encore, c'est unique en tout cas, c'est unique. C'est unique. Donc ça surprend, ça déconcerte, et tu dis mais c'est impossible à faire. Et lui a réussi à gagner 7 ou 8 grands chelems, je ne sais plus, mais voilà, avec cette espèce de technique complètement improbable. Moi, je la considère comme laide, parce que moi, mon préféré, c'est Federer. Donc si tu compares dans l'esthétisme du tennis, l'esthétisme, pas technique, hein, esthétisme, sur un court de tennis, j'ai envie de ressembler à Federer plutôt qu'à McEnroe. Après, en efficacité, j'en sais rien du tout. Medvedev, bien sûr, pour moi, c'est évident. Mais encore une fois, c'est... Et Jim Courier, moi, quand je voyais Jim Courier, c'était fou, quoi. Moi, je suis resté sur la génération actuelle, mais effectivement... Courier, il a 4 grands chelems avec sa technique de zinzin, de joueur de baseball, quoi. C'est n'importe quoi. T'avais l'impression que le mec, il avait pas de tendons dans les bras. C'était très bizarre. Son revers, c'était du baseball. Son service, t'avais l'impression qu'il allait se péter la colonne vertébrale. Il avait un coup droit très bizarre. Mais bon, efficacité du mec, extrêmement... Mais voilà, je le voyais jouer, je me disais, mais c'est pas beau. Hugo nous dit, est-ce qu'une technique unique, finalement, n'est pas un facteur pour devenir un grand champion? On se rend compte que finalement, c'est une très bonne question. Non, mais chaque joueur a sa spécificité, son unicité. Je suis d'accord, mais faut qu'elle soit performante. Si c'est pas performant... Bah, en fait, on boucle sur ce que tu disais au début. C'est l'efficacité, c'est la clé, c'est la direction qu'il faut prendre. Mais même, regarde, si tu veux parler de même Iga Swiatek, pour moi, c'est pas une belle joueuse. Tu vois, j'ai pas envie de, quand je la vois jouer, je me dis putain, c'est pas beau quoi. Ah, mais il y a un truc fascinant. Ou Monica Seles. Je trouvais pas ça beau. Tiens, regarde JP qui nous dit ça. Ouais. Mais ouais, Monica Seles, c'était pas beau. Mais enfin, mais tu prends Navratilova, revers à une main, le montel. Ouais, c'était pur. Ouais, mais c'était l'époque. C'était l'époque aussi des surfaces beaucoup plus rapides. Mais parfois, il y a des tennis qui sont un peu moches, mais qui sont hypnotisants du coup. Bah, typiquement Daniil quoi. Ouais. T'es là, mais comment c'est possible que ça fonctionne cette histoire? Et du coup, t'es hypnotisé par ce côté peut-être un petit peu laid. Quoi, en fait. Oui, et Santoro, bien sûr, Jeff, t'as raison, Santoro. On en parle pareil. Pas, technique unique ou pas? Ah bah, Santoro, technique unique. Ah oui. Et des joueurs qui ont des revers à des... Jouer à deux mains des deux côtés. Ouais. C'était pas beau, Bartoli, techniquement. Bah, tu vois, je l'avais mis à la place de courir dans mon top 3. Bah ouais. Et puis à un moment, je me suis dit, putain, si je fous Marion Bartoli dans le côté c'est pas beau, déjà que je me suis fait défoncer Extriqueur en disant qu'il était trop gros... Donc là, je me suis dit, Bartoli, il ne faut pas j'y touche. Il paraît que Stan, il est venu titiller, donc. Oui, c'est pas un petit bisou dans le cou. C'est du Twitter, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'on dit tous les jours aussi. Mais c'est, tu vois, encore une fois, enfin... Satégui, c'est vrai. C'est pour ça, tu vois... Satégui, le coup droit, n'importe quoi. Attendez, vous n'avez pas parlé de Chapovalov à aucun moment dans les belles techniques. Beau joueur, très très beau joueur. Très beau joueur, Chapovalov. Ah, mais regarde, très beau joueur. Mais tu vois, on est Mais où est l'efficacité? Mais on n'a pas dit que beau égale efficace ou performance, hein. Justement, c'est là où c'est la conclusion. Beau pour l'art d'être beau, pour se regarder à la Musetti, à la Chapovalov. Musetti, c'est magnifique, en vrai. Oui, bah oui. Vous ne l'avez même pas mis dans votre temps. Vous auriez dû. Oui, mais c'est magnifique. Bah, alors, si tu trouves que Musetti, c'est magnifique, donc Federer, de toute façon, est intouchable. Bien sûr. Oui, mais encore une fois, non. Parce que Musetti, il n'y arrive pas. Mais attends, mais oui, mais parce que là, tu es dans la performance. Moi, je parlais juste du côté esthétique. Mais justement, on se rend compte que c'est pas parce que tu es beau techniquement que tu es efficace. Ah, mais là, c'est totalement subjectif. Il y a des gens qui vont se dire que Musetti, c'est pas beau. Ah, j'y crois pas. Bah, si, bien sûr. J'y crois pas. Franchement, s'il y en a un dans le chat qui trouve que techniquement Musetti n'est pas beau, je veux votre nom. Je suis pas super fan de son Et vos arguments. J'aime pas trop son coup. Dolgopolov, bien sûr. Mais attends, c'est quoi volet là? Oui, pardon. Parlez. Les peu académiques, j'ai pas mis les. Qu'est-ce que t'avais mis? Je voulais pas de problème. Medvedev, tu vois. Oh, le pauvre Daniil, hein, il a les oreilles qui sifflent, là. Mais il le sait. Pourtant, Dieu sait s'il est performant. Qu'est-ce qu'il est bon, ouais. Mais Tiafoe.
Je suis désolé, Tiafo, cette technique de coup droit et tout ça, qui, moi, se rapproche un peu de la technique, effectivement, d'un Benoît Paire avec le poignet comme ça, je trouve pas ça très beau, et Bautista Agut. Mais Tiafo, il est technique, quoi, la volée, il a une petite main, ça côté fonctionne, revers, c'est pas... Ouais. Non, mais oui, c'est performant. Ouais. Mais c'est pas le joueur sur lequel j'aime... Oui, effectivement, par contre, j'aime le joueur. Ouais. Parce qu'il est accrocheur, parce qu'il va chercher des choses qui sont intéressantes, mais bon... Mais c'est un créatif, Tiafo. Bah ouais, et Agut, je suis désolé, c'est pas... Ah non, par contre, lui, non, c'est pas un crédit. Son coup droit, là, comme ça, il fait un plat. Mais dans l'absolu, le tennis espagnol, le seul joueur qui est sorti un petit peu comme ça du côté esthétique, c'était Feliciano López. Deliciano, ben, machin. Oui, mais ça, c'est... Mais dans Verdasco aussi. Ah, c'est un grinder un petit peu comme López. Ouais, mais là, on est dans l'animalité avec du Verdasco, où tu mets du Almagro, des machins comme ça. Ok, ouais, d'accord, c'est efficace. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. On peut parler pendant des heures et des heures. Ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. Après, que tu sois beau ou pas beau, on s'en cogne. Ah, moi, c'est bien que ce soit beau quand même. Ouais, je pense que c'est important pour rester dans les mémoires, il faut quand même avoir un truc. Hein. Parce que si Roger est resté dans les mémoires alors que maintenant il est troisième au record de Grand Chelem, c'est qu'il a donné une impression, il y a une empreinte qui est indélébile dans la performance de Roger. Connor, c'était pas beau, je peux dire qu'il est dans les mémoires de tout le monde. Ouais, après c'était les débordements, c'était son... Encore une fois, il y a des noms qui viennent. Ken Carlson, c'était affolant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fini en puzzle, le mec. Ouais. C'est impossible de jouer comme il jouait. Bon, ok, d'accord, et toi? ESV. Alors, moi, j'ai eu un petit souvenir d'enfant, c'était Ian Michael Gambill. Alors lui, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur YouTube. Le pur Playmobil. Ouais. C'est le papa de Newman. J'espère qu'il ne va pas nous regarder. Donc, oh là là. Coup droit à deux mains avec une prise un peu au hasard. Mais parfois, il décrochait, il faisait juste avec une main son coup droit, donc aucun sens. J'ai mis Daniil. Il jouait des deux côtés à deux mains. Mais, regarde, tu aurais pu mettre Gene Meyer. Hein. C'était exactement la même chose. Hein. Il jouait ses côtés à deux mains, pareil, le Gene Meyer. J'ai repensé à Gambill, je ne sais pas, ça m'a fait triper. Gambill. Le pauvre Daniil, sur les trois tableaux, par contre. Franchement, Daniil, trop. Mais on l'adore, on l'a eu dans l'émission, il ne sera pas vexé. Hein. Et Cameron Norrie, parce qu'en revers, j'ai l'impression que c'est une poêle à frire qu'il a dans la main, quoi. Alors, pas faux, et côté coup droit, t'as l'impression qu'il centre jamais la balle. Non, mais tu regarderas, t'as l'impression qu'il fait tout le temps des bois. On peut remettre le lait de Juju? Ouais. Juste pour voir un truc. À goutte. Tiafo en deux. Tiafo et Medvedev, ouais. Tiafo, encore, il joue pas dans cette version-là, mais tu te rends compte quand même que dans ces laits-là, on est quand même sur c'est des pousseurs de wagonnet dans l'absolu, tous ces mecs-là, hein. On n'est pas sûr. Quand même, l'esthétisme, on est sur le joueur qui va réussir à gagner en 2-3 frappes, tu vois, rapide, beau, je viens au filet, je fais des beaux petits trucs. Tous les mecs là qui vont aller suer du fond du court et tout c'est ça, vrai, on est tous en train de se dire « Ah, c'est pas beau, le mec, ah, là, il force pour y arriver à gagner. » On revient à la définition du début, c'est qu'un joueur qui arrive à masquer ses efforts, c'est un beau joueur. Donc, il y a quand même des choses qui reviennent. Et Medvedev, on se rend compte que c'est un joueur qui revient beaucoup dans entre guillemets, la leader, oui, mais c'est très efficace. Erwan, super question. Est-ce qu'une bonne technique permet une plus grande longévité physique? Pas forcément. Ah non. Ouais, pas forcément, parce que tu peux être... Tu peux avoir une bonne technique, mais si t'es pas bon physiquement... Rafter, il s'est niqué le dos avec son service. Hein. Ah bah non. Mais c'est pour ça que... Tiens, regarde, je te donne un exemple. Et d'ailleurs, je trouvais que l'événement était magnifique la semaine passée. J'étais chez moi au Cap, il y avait la National Cup, où en fait c'est le tournoi le plus grand tournoi amateur au monde, où tu ne joues que par classement. Donc j'y suis allé avec mes filles, on est allé voir un peu de ça, et t'as des mecs qui sont à 15-3, 5-6, qui ont des super belles techniques, mais ils resteront 15-3 toute leur vie, parce qu'ils n'ont pas le physique, parce que voilà, oui, c'est comme ça. Non mais je veux dire, tu vois, donc tu peux avoir... Ah bah moi c'était ça, hein. Tu peux avoir... Mais je te promets, moi je n'avais absolument aucun physique. Je n'ai jamais travaillé physiquement à la Gasquet. Tu peux avoir une belle technique. Erwan, c'est ça. Tu peux avoir une belle technique, mais si tu n'allies pas tout ce qu'il faut à côté... Erwan, je trouve, un petit peu raison dans le fond, parce que Rafter, il s'est niqué le dos avec son service où il se cambrait énormément. Novak, au niveau du coude aussi, il a retravaillé son armée, il a retravaillé son service pour avoir moins de tension et de traumatisme. Oui, une mauvaise technique peut clairement t'amener à avoir des blessures long terme. Ah, si t'as pas une bonne technique, ouais, tu peux te blesser, ça, ah, c'est sûr. Daniil Medvedev se blesse pas? Non. Non, mais... Oui, mais parce qu'il a toujours un bon... Il a 28 ans, hein. Il a le bon plan de frappe. Ben oui, toujours. Il compense. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de compensation. Parce qu'il n'est pas en retard, il est toujours... C'est ce qu'il racontait en plus quand il était gamin et qu'il jouait avec les Rublev et tout ça. Les mecs avaient un tennis un peu classique, pas lui. Mais il te disait, tu pouvais jeter la balle dans n'importe quel endroit du court.
j'arrivais toujours à la frapper exactement au bon endroit. C'est le timing. C'est le timing. C'est les tennis de rupture, je pense, qui sont sensibles aux blessures. C'est quand tu as des mouvements saccadés. Daniil, il n'a pas ça. Daniil, il a quand même une certaine fluidité. Par contre, il court beaucoup. C'est un marathonien, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs dans la finale. Oh là là, mais regarde, tu peux voir. Lendl, de toute façon, je ne pense pas que ce soit les coups du fond du court qui vont vraiment te fracasser. Mais c'est plus la répétition du service, parce que c'est devenu tellement énorme le service. En plus, avec la puissance que tu dois délivrer en permanence. Et tu te rends compte que voilà, des mecs comme Lendl, je peux dire qu'il est le dos pareil fracassé, Edberg, dos fracassé, Agassi détruit, Sampras, Agassi, tout ça, tous ces mecs-là ont eu des problèmes énormes au niveau du dos. Parce qu'encore une fois, tu vois des mecs comme les John Isner, les Karlovic qui font 2m6, et donc ils vont aller chercher la balle avec une technique très pure. Urkach actuellement. Ou Urkach, voilà, c'est très pur, c'est très propre, ils t'envoient des ogives, ils peuvent continuer à jouer comme ça. Après, c'est l'épaule, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais... J'ai beaucoup vu dans le chat, on nous demande notre avis sur Tsitsipas. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bah si, je l'ai dit. Si. On a un tout petit peu de parlé, ouais, parce de, que de c'est Stéphanos, les faibles grecs. Mais moi... Non, mais il est beau à voir jouer quand même. J'aime bien, mais son slide, j'aime pas. Il n'est pas beau. Ah non, Julien Monguet qui dit une technique stable, fixe, permet de retrouver... Vite son niveau. Mais ils ont tous une technique stable et fixe et qui ne bouge pas. Encore une fois, on parle pas de... Là, on n'est pas du tout sur le tennis amateur, on est sur le tennis pro. Oui. Donc ces mecs-là, ils ont une technique, elle est complètement imbriquée dans leur ADN. Quoi. Avant, un mec... Mais même un mec de 18-19 ans, ils te le disent, normalement, tu ne touches pas sa technique. La technique, tu la touches à 10-11 ans, et encore. Mais pas après, quoi. Pour répondre sur Agassi, à David, Agassi, dans sa biographie magnifique Open, il explique, avant de jouer Benjamin Becker et son dernier US Open en 2006, il dort sur la moquette, il ne peut plus dormir dans son lit tellement il a mal au dos. S'il dort dans son lit, il ne peut pas se réveiller, il ne peut pas jouer au tennis. Donc il a fini sa carrière en 2006, il est explosé au niveau du dos. Quoi. On va terminer ce débat avec un petit mot sur Kyrgios, parce qu'ils veulent tous un petit mot sur Nick Kyrgios. Bah non, il n'est jamais sorti. Il n'est pas beau. Moi, je trouve pas ça beau. Ouais. C'est puissant, c'est efficace, mais je trouve c'est pas ça beau. Pas celui qui est sorti. Son revers n'est pas beau du tout. Le reste, oui, je trouve que quand même, il y a le service, j'aime bien, il y a quand même un certain style. Quoi. Ouais, il a un style, quoi. Il est charismatique. Non, mais on aurait pu dire Brad Gilbert. Ah oui, Brad Gilbert. Parce que lui, c'était vraiment, en plus, il a écrit un bouquin. Ouais, Winning Ugly, ouais. Donc, Oui, c'est vrai. Mais il y en a des... C'est vrai. Il y en a des milliards. Bah oui. Mais du coup, ça, moi, je trouve que c'est un débat qui est super, super intéressant. Il est profond et c'est dur de se mettre d'accord sur quelque chose qui, finalement, c'est pour est ça qu'il relativement faut mettre, subjectif. Il faut mettre des paramètres bien, bien précis. Ouais. L'efficacité, qu'est-ce que la beauté ? Bah, c'était la première question, parce qu'une belle technique. Bon, voilà, en fait, on a parlé pendant 3 quarts pour rien. Non, moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment bien. C'est sympa. Bon, je vais vous poser une petite question maintenant pour gagner le livre de Rafael Nadal, qui est un des plus beaux joueurs de tous les temps. C'est la meuf. La meuf, elle craque, ça fait 4 jours qu'elle n'a pas dormi. Donc, vous allez répondre à cette question sur le chat Winamax, les amis. En quelle année Rafa Nadal fait-il sa seule finale à Bercy ? Il y a 3 réponses. Vous cliquez sur la bonne. 2007, 2013 ou 2020, il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Attends, on n'a pas mis un français. On n'a pas mis un français alors que tu as dit que la France était un des pays qui faisait les plus beaux joueurs, techniquement. On n'a pas mis un français. Il n'y a pas un français qui est sorti dans le... Le plus beau joueur français de l'histoire, ce serait qui ? Ah ! Le plus beau joueur français, techniquement. Cédric, c'est pas mal, quand même. Revers une main, pardon. Ah, Richie, mais bon, j'aime pas trop le service, j'aime pas trop le coup droit. Son coup droit là, ouais, moi non. Mais. Ouais. Ah, mais non, mais c'est impossible. Parce que moi, c'est Noah. J'étais. Oh non, tu peux dire que non. Mais c'était mais beau. Mais c'était pas une belle technique. Non, mais c'était animal. Voilà, oui, là je rejoins SV sur le côté animal. Pour moi, ce mec-là dégageait un truc. Il avait un charisme de fou. Tu sais pourquoi on peut pas. Parce que étant coach et travaillant la technique tous les jours avec des joueurs, moi, je regarde vraiment l'aspect technique. Technique. Mais ouais. Je suis désolé, Yannick, avec son courant comme ça. Sinon, je te mets le compte. Moi, je trouvais ça. Bah ouais, c'était, il met le compte. C'était ouais, sublime. Ouais, mais sauf que son revers avec sa sucre, il tenait sa raquette avec deux doigts. Comme, qu'est-ce que tu vas apprendre ça à un gamin, quoi ? C'est impossible, parce qu'il avait une malformation dans le coude. Tu sais que je lui avais demandé une fois comment il faisait, tu sais, ses passings courts croisés en revers. Il m'a dit, c'est très simple. Tu fermes les yeux, tu serres les fesses. Ouais, c'est dingo. Je vous répète la question, j'ai pas dit gagner. En quelle année Nadal fait-il sa seule finale à Bercy ? J'ai pas dit qu'il avait gagné.
Dommage. 2007, 2013 ou 2020. On vote où? Il y en a un qui redemande. C'est où qu'on vote là pour le livre? Sur le chat Winamax. Le ça ne se passe Winamax. Pas sur YouTube ni sur Twitch. C'est sur le chat Winamax. Il faut mettre l'année, hein, c'est tout. C'est, hein. Ouais, c'est okay. Ça. Julien, on voit du beau et du moins beau en indoor. Tu nous en dis plus sur les spécificités de cette surface? Non. C'est l'heure de la Varbova. Attends, attends, attends. Il y a un jingle. Alors, c'est une VAR sans VAR. Non, mais c'est quelque chose que je ne peux pas mettre sur la tablette. Pourquoi? Pour deux raisons, on en parlait déjà en arrivant. C'est que les surfaces ont tellement été uniformisées extérieur, on va dire, en indoor, de toute façon, c'est toujours, on va dire, du dur. Extérieur et indoor. Ça s'est passé à l'époque où il y a eu une fameuse finale d'Iva Zinevich à Bercy, où il a fait, les gens se sont embêtés, parce qu'à l'époque, c'était une moquette qui était méga, méga, méga rapide. Donc, en fait, les surfaces, maintenant, tu n'as plus... On n'a plus de joueurs spécifiques indoor et spécifiques outdoor parce que ça s'est vraiment rapproché. Maintenant, donc tous les styles de jeu peuvent se mettre en place sur de l'indoor, ça c'est la première chose. La deuxième, effectivement, tu me parlais de Rafa une fois de plus parce que t'es fan. La spécificité quand même de l'indoor, tu regardes. Elle me parle de ça, non mais c'est vrai, non mais ça c'est un point qui est hyper important. Vienne, Rotterdam, Bercy, Bâle. Il y a qui encore en indoor? Vraiment indoor? Je crois que ça doit être les 4. De quoi? De tournois? De tournois, vraiment, ouais. Après, bon, t'en as aussi un peu en Asie. Bah, mais en fait, Marseille. Oui, il y en a pas mal. Marseille, France, ouais, Marseille, Metz. En fait, les surfaces, pourquoi le lift d'un Rafa Nadal prend moins? Parce que ce n'est pas du dur. En fait, ces surfaces-là sont peintes sur des plaques en bois. Donc, automatiquement, t'as pas le rebond d'une balle comme si tu joues sur du bitume. Donc, les kicks et les lifts de vraiment des joueurs, on va dire, de terre battue, ça prend tout petit peu un peu moins. Maintenant, ça, c'est la spécificité technique. La spécificité de préparation est aussi différente en indoor qu'en outdoor, parce que très souvent, ce sont les tournois que je viens de citer, tu as un cours ou deux cours maximum, d'où le problème de Bercy à l'avenir, parce que c'est un grand tableau. C'est que tu peux jouer très tard le soir, donc il faut que tu te prépares différemment, il faut que tu te prépares aussi mentalement et physiquement à jouer à minuit, 1h du matin, ce qui est quand même... Tes journées sont complètement différentes, tu les gères beaucoup moins que quand tu joues, on va dire, Monte Carlo ou même Indian Wells ou Miami. Donc voilà, pour moi, c'est ces petites spécificités qui font que les tournois indoor sont un peu différents, mais maintenant, tu n'as plus de joueurs spécifiques outdoor et indoor parce qu'ils ont tellement uniformisé les surfaces que tous les styles de jeu se mettent en place, quoi. Et je vais peut-être même en rajouter, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais moi, il y a deux mecs qui ont révolutionné l'indoor dans la capacité de glisser sur cette surface, alors que normalement, tu ne le fais pas, sinon tu te pètes toutes les chevilles, tous les tendons, tous les genoux. C'est Djokovic et mon fils. Ce sont des mecs qui sont capables de te faire des glissades de terre battue sur de l'indoor. Et d'ailleurs, tu te rends compte que maintenant, tout le monde essaye de copier ça avec les coachs qui sont là, putain, il ne faut pas qu'ils glissent. Regarde, Urkacz hier, il te fait des espèces de glissades écart facial d'un mec qui fait 1m90. Avec le poids, tu te dis, mais il va s'arracher tous les adducteurs, le mec. Mais ils sont quasiment obligés maintenant de le faire. Parce que sinon, il y a un tel temps de retard que tu ne peux pas revenir. Alors que sur Terre, tu as encore cette capacité, même si tu es 4 mètres derrière ta ligne de fond de court, de glisser, d'armer ton geste, de pouvoir y arriver. On a des joueurs quand même qui sont à l'aise, qui se sentent bien en indoor. Peut-être l'acoustique, les conditions qui sont très neutres, comme voilà. Félix Auger-Aliassime, par exemple, qui s'est retrouvé là la semaine dernière parce que ça sied à son jeu qui... ça met en lumière. Oui, parce que t'as pas le vent, t'as pas le soleil, t'as pas. Ouais. Les conditions sont potentiellement idéales, c'est sûr et certain. Donc pour certains joueurs, je pense que ça les rassure ou ça... peut-être qu'ils sont déstabilisés dans des conditions extérieures. Après, tu vois, moi je regrette un petit peu. Je regrette un petit peu. À l'époque, on se rappelle, moi j'ai fait Stockholm, où c'était un tournoi rapide. C'était un des derniers indoors rapides. Mais là maintenant. Aujourd'hui, c'est Vienne. T'as plus cette surface un peu rapide en indoor où tu dis punaise. Je vais à Bercy, pourquoi? Tu regardes à l'époque, McEnroe a bien joué à Bercy, Lecomte a bien joué, tu vois, en indoor. Casal qui venait faire, Mansdorf, Becker, les mecs, voilà, c'était une surface où tu voyais du service. Alors, c'était pas le gazon, mais tu voyais du service volé, ça montait au filet. Maintenant, beaucoup moins. C'est tout simplement le revêtement que tu vas mettre sur tes espèces de tasseaux de bois, de plancher. Parce que Kojol est directeur la première année du tournoi de Bercy, du Rolex Paris Masters, lui, il est fan de Federer. Ah oui, et il se dit, je veux que Federer. Donc, il avait fait en sorte de telle façon à ce que le tour soit beaucoup plus rapide que les années précédentes. Ouais. Ce qui a
ce qui sied bien évidemment au jeu de Federer, qui est un jeu pur de bah voilà, Wimbledon, de gazon. Quoi, mais de surface très rapide. Ça, on n'en parle pas assez, hein, des organisateurs de tournois qui vont choisir des surfaces en fonction peut-être de leurs affinités. Hein. Et ça, c'est un truc important dans les palmarès. Et de faire venir des joueurs. Ouais. Complètement raison. Ouais. À la base, pourquoi ils changent le gazon de Wimbledon? C'est pas pour se dire, tiens, on va révolutionner le jeu sur gazon. Ils le font parce que Tim Henman n'y arrive pas. C'est trop rapide. Donc, ils se disent, si on peut l'aider, on va essayer de faire en sorte de ralentir ce gazon. Parce que c'est un peu trop. Il n'avait pas le service d'un Ivanisevic, d'un Rafter de l'époque, des Philippoussis. Il se faisait à chaque fois bananer. Donc, ils ont dit, tiens, on va ralentir le truc. Bon, ça n'a pas du tout aidé. Alors, Tim Henman, il n'y a pas arrivé. Finale de 2002, c'est Hewitt contre Nalbandian. Il n'y a pas un service volé dans la finale. Donc. Eh ouais, mais c'est ça. Après, dans l'absolu, tu peux faire n'importe quoi. Alors, maintenant, il y a des règles sur la rapidité du cours. Alors, il y a des espèces de trucs là, pour le calculer. En fait, pour ne entre guillemets, pas gêner les joueurs, pour qu'il n'y ait pas de gros décalage, ils ont uniformisé, on revient sur l'aspect d'uniformiser les surfaces, et que... Donc ils ont tu vois, dans leur logique complètement aberrante, ils uniformisent les surfaces, mais en revanche, ils changent les balles tout le temps. Ouais. Encore une fois, c'est aberrant, quoi. Donc, il y a un point balle avec Julien Varane. Un moment, si t'arrives à avoir des contrats avec des sponsors, eh ben tu te démerdes pour trouver. T'as des contrats avec les cordeurs, tu vois, tu changes pas de cordage comme ça dans tous les tournois. Donc, à un moment ou un autre, tu as la capacité de pouvoir le faire. Tu peux le faire. C'est dur. Mais bien sûr, mais tu y a une peux. Balle officielle. Dunlop, c'est la balle officielle du circuit ATP, mais on se rend compte que les tournois vont négocier individuellement avec des marques. Et là, ouais, sur dernières semaines, on a 5 balles différentes. Avant, c'était Technifibre au Masters. Ouais. T'as eu Technifibre, t'as eu Wilson. Et t'avais quasiment Technifibre Dunlop. Mais t'as eu plein de marques. Les Schlesinger de Wimbledon n'avaient rien à voir avec les balles qu'il y avait sur le reste du circuit. Il y a Söderling qui fait des balles aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Elles sont pas mauvaises. Qu'est-ce qu'il a, mon micro? Il y a un petit problème de micro, mais je sais pas, on va me le dire dans l'oreille. Elles sont pas mauvaises, ces balles. Petite interférence, mais c'est passé. Après, on peut en finir. D'ailleurs, moi, je vais travailler sur ce sujet parce que je pense qu'on peut le savoir. Je pense qu'au niveau même de la manufacture, de la construction de la balle, ouais. Je pense qu'ils ont complètement changé le truc et qu'il y a beaucoup. Le 100% caoutchouc n'existe plus. Ah, ben c'est ça, on en avait parlé. Mais ouais. Vrai sujet, du coup. Ah oui. Parce que toi, tu remettais un peu en question. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que quand les mecs, ils sont à Bercy, ils ont des balles neuves toutes les 10 minutes. Oui, mais ils le disent tous. Non, à un moment, moi, je trouve que là, on en fait trop sur les balles. Ouais. Mais les mecs, ils jouent. C'est simple, 7 et 9 jeux. Est-ce que ils doivent jouer avec 6 ou 9 balles. Est-ce que tu prends une balle à 7 jeux au début et à la fin de 7 jeux ou 9 jeux, la balle, c'est pas la balle du chien. À un moment, faut. Non, bah, mais il te dit justement qu'elle s'est transformée, cette balle. Qu'avant, non, ça bougeait quasiment pas. Ouais. Bah, après, je sais pas. Ce n'est que mon sentiment. Allez, on revient maintenant sur les tops et les flops de la semaine. Et c'est là qu'on va débriefer les finales d'hier. C'est parti, challenge. Parce que ça fait partie du thème, donc on va répondre à cette question. Le coup droit de Shelton, on en pense quoi? J'aime bien. Mais après, tu vois, j'aime bien parce que c'est... Djokovic, je vous dis un avis parce que c'est trop forcé et pas très relâché. C'est assez bestial, je reviens un peu sur ce qu'on disait. Mais je trouve que techniquement, c'est plutôt... Je pense qu'il soulève un peu de la fonte sur son coup droit. On commence par le top de Benoît Mélin. On va se régaler, c'est Félix Auger-Aliassime. Il est de retour. Non, mais parce que j'y croyais pas. Personne n'y croyait. Là, il m'a scié. Il m'a scié parce qu'en plus, déjà, son parcours, quand il sauve sa balle de match contre Shevchenko et tout ça, Rouneux qui arrive dans l'histoire, apparemment le Rouneux, il était quand même un peu cuit. Et sur la finale contre Hubert Hurkacz, je me dis, ça l'a quand même. Le Hubert, il perd pas ses finales, il va y avoir du tie-break dans l'histoire. Comment ça va se passer, l'émotion, le fait qu'il n'ait pas gagné depuis son dernier titre à Bâle l'an dernier, et le mec, il fait une finale, mais alors le niveau de Félix sur cette finale, mais je trouve que Hubert a bien joué, mais il le pouvait strict. Là, j'ai trouvé qu'on avait retrouvé le Félix de l'an dernier, qui était complètement dingue, avec une qualité de service affolante. Il perd 3 points sur sa première, 6 sur sa seconde balle, ce qui est quand même dingue. Il amène Hurkacz à reculer, à ne pas pouvoir avancer. Il retournait tous les services de Hurkacz comme si c'était du service de moi, tu vois, une espèce de merde là, qui avance pas. Et bum, il t'envoyait des ogives dans tous les sens. Et à chaque fois, même sur les tie-breaks, parce que ça se finit quand même 7-6, le mec, il est parfait, quoi. Ouais, parce que Hurkacz, c'est quand même son domaine. Son domaine. C'est fou, ce switch. Bah, il est...
Après, Fontan m'a quand même, Fred, il m'a quand même bien descendu cet été, donc. Mais pour moi, il était dans la zone cette semaine. Voilà. Ça sera que cette semaine. Tu penses que c'est un one-shot ? Moi, je pense qu'il était dans la zone cette semaine. Il revient à balle, il a gagné le tournoi, il sauve une balle de match, concours de circonstances, tac, tac, tac. Ça peut relancer la machine. Ah, mais je le souhaite pour lui. Mais ça peut relancer. Sans aucun problème. Mais après. Mais pour moi, il est dans la zone. Encore une fois, là, tu te rends pas compte de l'investissement mental que ça peut représenter. Parce que quand il commence son tournoi, là, le mec, il joue pour dégringoler, quoi. Pour partir très, très loin, quoi. Là, il reste dans le top 20, pour l'instant, hein, même si encore Bercy. Mais bon, il reste dans le top 20, il est 19e. Et j'ai trouvé quand même sa gestion mentale sur l'ensemble de cette semaine, elle est dingue. Parce que je peux te dire que ça va être très, très chaud. Ça, c'est peut-être l'aspect, je reviens à balle, j'ai gagné l'année passée. Ouais, mais là... Mais tu peux avoir la pression. Mais encore une fois, ouais, tu vois, je vais lui dire bravo, parce que, en plus, j'étais le premier à dire... Il faut que tu dégages ton équipe, là. Il faut que tu changes un peu tout ça parce que ça va mal se passer. Le mec, il n'a pas bougé une oreille. Il est resté avec son Fred Fontan. Et puis, le Tony Dadal, je ne sais même plus s'il est là-dedans, mais au moins, il a toujours Fred Fontan. Mmh. Et je peux te dire, voilà, il a fait ce que font tous les meilleurs, c'est garder, en général, leur coach pendant des années et années parce que les mecs, ils le connaissent par cœur, techniquement, certes, mais aussi dans le côté humain, quoi. Moi, je reste toujours un petit peu réservé quand même, malgré ce titre, la saison. Et il sauve pas sa saison avec ce titre. Non, mais la semaine, top flop de la semaine. Ouais, mais si on élargit le spectre. Non, on élargit pas le spectre. C'était le top de la semaine. On va le voir à Bercy et. Non, parce que c'était le top de la JP semaine. JP nous demande, et il peut pas faire quelque chose, Benoît, à Bercy. Non, tu vois, parce qu'il sera rincé et il va faire premier tour sur je trouve. Oh, Julien. Facile, hein. Sur le cours numéro 1. L'optimiste. Il va faire premier tour contre je trouve sur le cours numéro 1 parce que cours numéro 1. D'où il revient. Petit terrain et tout ça, je trouve, il va envoyer des ogives au service, ça va faire 7-5-6-4. Allez hop. Non. Ah, tu verras. Non. Bon, on en parlera demain. Mais pour moi après, je trouve ça énorme. Il va mettre 2 et 3, je trouve. Ça peut lui faire tellement de bien. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais tu tapes pour catch. Je pense qu'il était dans la zone. Avec tout ce que ça représente. Final, match particulier. Ça n'a rien à voir avec un premier tour ou un truc comme ça. Il gagne sa finale. Oh, il joue Urkach, l'ours. Derrière, il va jouer je trouve. Excuse-moi, mais enfin, Urkach est plus fort que je trouve. Sur le cours numéro 1. Ouais, ça va être plus rapide que le central de balle, ça c'est sûr. Mais derrière, il va jouer quoi? Potentiellement un Tsitsipas. Il peut très bien cogner un Tsitsipas. Alors là, je veux voir. Après, on verra. Mais pour moi, il peut passer ses deux premiers tours à Bercy. Le top de service volé, c'est aussi un sacré du dimanche. On applaudit ou pas cette finale ? Yannick Sinner. Moi, j'étais fatiguée à la fin. J'étais aussi fatigué que Daniel. 3 heures 3 de combat, l'un des 10 meilleurs matchs de la saison, je trouve. Ouais. Un grand match de tennis avec plein de dimensions différentes, tactiques, physiques dans le troisième set. On a eu un premier set où Sinner sauve 2 balles de set avant de le remporter. Daniel qui, dans le cœur du deuxième set, va prendre l'ascendant. Sinner qui continue sur ce qu'il avait fait à Pékin, c'est-à-dire des services volés, des variations, des amortis. On a été critique dans cette émission sur Sinner. On a dit souvent, et même moi aussi de mon côté, que c'était un peu stéréotypé, qu'on avait du mal à voir vraiment l'évolution. Bah, il a travaillé méthodiquement avec Darren Cahill. Il a mis petit à petit des petites pièces dans son jeu. Il a amélioré son jeu. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, je trouve que c'est en train de cliquer. On se retrouve dans le troisième set. Donc, il y a un set partout à ce moment-là. Le quatrième jeu. Et c'est 19 minutes. Il break à la 9e occasion et tu vois visuellement Medvedev plier physiquement et il va changer en fait de stratégie Sinner à ce moment-là. Les variations, il va arrêter et il va vraiment engager physiquement le combat contre Daniil. Il va le faire exploser et donc on a eu vraiment un match total, complet, je trouve, avec ses variations initiales et ensuite dans le côté physique, il va réussir à l'exploser. Je trouve que Sinner depuis Pékin, il a pris une nouvelle dimension. Alors, il faudra voir si ça se concrétise en Grand Chelem la saison prochaine et sur les 2 prochaines années. J'ai discuté avec certains d'entre vous sur Instagram et on était là en mode « Vous croyez un petit Grand Chelem d'ici 2 ans ?» Moi, je commence à changer mon fusil d'épaule. Alors, évidemment, Sinner, on ne le découvre pas. Hein, mais depuis Pékin, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Le dernier verrou, ce sera certainement Novak Djokovic parce qu'il y a 3-0 dans les oppositions pour l'instant. Donc, il faut battre Novak. Peut-être d'ici la fin de la saison. Moi, j'ai juste la réserve pour Sinner, c'est ce qu'il va être capable d'enchaîner sur Bercy et sur le Masters, connaissant l'animal et connaissant les réserves physiques qui sont parfois un petit peu suspectes. Et là, il a montré, effectivement, cette semaine, que c'était plus le Yannick Sinner qu'on connaissait avant, avec les limites et tout ça. Je trouve que c'est un joueur maintenant qui est devenu très, très complet et qui sera une menace, je l'espère,
pour les meilleurs titres et pour les grands chelems en 2024. Il va falloir qu'il enfin, quand même, hein, je crois que ça doit être le mec qui joue le plus de matchs affolants dans, au meilleur des 3-7. Rublev aussi, dans le système. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que si t'arrives à ces matchs de plus de 3 heures comme ça, et merde, qu'est-ce qui va se passer dans les tournois Grand Chelem? Tu peux pas te permettre d'avoir ces matchs longs dans les tournois Grand Chelem. Après, Daniil, il t'emmène dans des matchs où tu vas te battre. Hein, mais tous, comme ouais. Physiquement, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais là, il m'a tiré. Je mettrais une piécette encore plus chez lui sur le Masters de Sinner. Bah là, ce serait la fin de saison magnifique, de saison vraiment de grande qualité. Depuis Pékin, c'est quand même dingue ce qu'il fait. Hein, ouais, mais tu vas voir. Peut-être que là, bon, on va voir, mais sur le Masters... Vous en avez pensé quoi de cette finale, les gars, Benoît? 20 sur 20 des deux côtés, parce que même Medvedev, j'ai trouvé tactiquement... Bah, tout le monde s'y attendait à ce que Sinner fasse des services volés, vu que Medvedev est toujours derrière. Et je me souviens dans l'émission, j'avais dit « Faites gaffe, parce que putain, les retours de Medvedev, même quand il est dans la bâche, il arrive à te les mettre dans les pieds. » Et Sinner, c'est pas le champion du monde de la volée basse. Donc, bien évidemment, à un moment, il s'est énervé parce qu'il se faisait punaiser. Donc, on l'a bien vu avec Darren Kelly. Il lui a dit « Attends, ton plan à deux balles de faire enchaînement service volé, je vais arrêter, quoi. » Il a complètement arrêté. Côté égalité, il s'est fait prendre voilà. Beaucoup. Et puis, petit à petit, poum, il a vu. J'ai vu... Enfin, tu t'es rendu compte qu'il a joué la dimension physique contre Medvedev, ouais, qui est quand même dingue. Ouais. Et là, il l'a cuit, quoi. Par contre, il y a une chose importante aussi, c'est qu'il a changé de nouveau son service. Technique de service. C'est qu'en fait, au début, il y a longtemps, il faisait relais d'appui, il est resté pieds joints, et là, il fait de nouveau relais d'appui. On sent que c'est quelqu'un qui donc, veut peaufiner les détails, qui veut progresser, qui est toujours dans cette construction technique, justement. Mais après, effectivement, on l'a dit et répété, il joue extrêmement bien, c'est à la volée, c'est en venant un peu plus vers l'avant où il va gêner encore plus, ouais. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi. C'est un travail, et je pense qu'avec Kyle, il le travaille, mais ça ne se fait pas, ce n'est pas instinctif, donc ça prend du temps. Mais en tout cas, moi... Parce que c'est Kelly qui lui dit, hein, dans le troisième set, commence à faire un peu du tripotage de balle, mets-moi du slice, mets-moi de la balle basse, tu vois, essaye de varier. Et puis, il l'a fait, quoi. Est-ce qu'il l'aurait fait sans Kelly? Je sais pas. Tu vois, encore une fois, là, tu es sur des cours où tu peux discuter facilement avec un entraîneur. Quand tu es sur le central de Roland-Garros ou ailleurs, le mec, il parle pas comme ça en deux secondes. Hein. C'est quand même assez loin. Donc, mais l'évolution... Enfin, encore une fois, ce gamin, moi, je l'adore. Ouais. Donc... Le top de Julien Varlet et français. Ouais, bah peut-être moins sexy que... Mais moi, je trouve que c'est Hugo Humbert. Pourquoi? Je m'explique. Bien sûr. Jusqu'en août, fin août, US Open, il est 30 mondial grâce à ses victoires en Challenger. Ouais. Et pour moi, c'est un top parce que je trouve que là, depuis la tournée, donc hop, on passe les États-Unis, mais la tournée asiatique, maintenant sur les 250 et sur les 500, il gagne aussi des matchs. Avant... Il faisait premier, deuxième tour. Et je trouve que là, il se passe quelque chose. Il commence à gagner des matchs. Et il a été régulier sur la tournée. Et là, il revient, il joue plutôt bien. Donc, je trouve que, pour moi, c'est qu'il a peut-être passé un cap. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, je vais en rajouter une couche. Les deux challengers qui gagnent sur terre battue, je pense que c'est un détonateur pour lui. Complètement, c'est un déclic. Parce que là, le mec, il se dit, attends, je renais sur une surface sur laquelle, normalement, je suis une quiche. Le mec, il arrive à gagner, surtout à Bordeaux, il se fait quand même des gros noms. Et derrière, tu vois, il explique quand même que 2020, alors bon, il y a toute l'histoire du Covid, les Jeux Olympiques, tout ça, 21 et compagnie, mais il disait, j'étais un peu tout seul dans l'histoire. Il n'y avait pas les fils, il n'y avait pas le Manarino qui était là numéro un français, il n'y avait pas les Luca Vanaché et tout ça. Et il dit, cette émulation, maintenant, elle y est, quoi. Il y a cette espèce très, très, très bien en plus, elle est saine. Donc c'est le côté, voilà, on se bat entre nous, on essaye d'être les meilleurs et tout ça. Et il dit, c'est un super plus, quoi. Donc moi, vraiment, Hugo... Jeff nous dit sur YouTube, on peut aussi étendre ce top à Jérémy Chardy. Bien sûr. C'est un duo, c'est une équipe, c'est une team. Et ouais, Hugo, comme tu dis, Julien, je trouve que... Ouais, là, il a retrouvé son meilleur tennis. Il joue clairement son meilleur tennis actuellement. Il est dans des conditions en plus qui le mettent en valeur parce que là, l'indoor et ce dur, entre guillemets, aller à intermédiaire plus, bah, ça correspond à ses qualités. Et puis, au niveau de sa stratégie, il met en place des choses qui et ont encore, du sens avec moi, sa technique. Tactiquement, plus encore. Tactiquement, je ne comprends pas quand tu connaissais le style de jeu de Jérémy Chardy qui lui dispense encore plus de venir vers l'avant. Quoi. Son service de gaucher, de venir à la volée, il a une bonne volée, de venir encore plus chercher le point au filet. Ça, ouais. ça me tend parce que je pense qu'il aurait fameux service de gaucher, tu viens poser la volée comme a fait Rafa, même sur terre battue de temps en temps. Punaise, il pourrait encore engranger des points. Comme Sinner, tu vois, regarde, t'as l'impression que ces mecs-là aiment bien le faire en deux temps. Quoi.
bien décaler le mec, retour un peu moyen. Non, je te dis pas, et on parle de la session, je te dis pas systématique, mais d'en glisser un ou deux par jeu pour rentrer dans la tête de l'adversaire. De toute façon, il a 25 balais. Il est monté très très haut, très jeune. Très vite, ouais. Là, il y a eu toute cette histoire après Covid et compagnie. Et je pense que ça, il a énormément mûri. Le fait qu'en plus, il ait le Jim Chardy à côté de lui. Pour moi, là, on peut avoir 3-4 années, mais de très très haut niveau du côté du Gobert. Il fait aussi pas mal de fautes. Il y a des séries de fautes. Il y a des sets lâchés. C'est un joueur avec ses qualités, ses défauts aussi, Hugo. Hugo, il est 15. Hein. Normalement, c'est un mec qui peut être 15e sans aucun problème. Ouais, donc, il faut qu'il soit top 15. C'est un top 20, Hugo. Le flop de Benoît Mélin. On passe au flop maintenant. Oui. C'est quoi, je me souviens. C'est Holger Rune. Ah oui. Là, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Alors, c'est jamais bon quand il caresse la table. Non. Quand il se met avec Boris Becker et tout ça, ça me dérange absolument pas. Vas-y, fais ta life. T'as raison, essaye de progresser. T'as 20 ans et tout ça. Mais ce qui m'énerve là-dedans, c'est que je trouve que par rapport à des Sinner, à des Alcaraz, de ces joueurs de cette génération, même du Shelton, je trouve qu'il est hyper gamin, quoi. Je me demande jusqu'à quel point ce mec-là ne fait pas du boudin depuis qu'il a fait de Sofia l'an dernier jusqu'à Wimbledon cette année. Le mec, il nous a fait des résultats complètement dingues qui l'amènent de la 40e place à la 6e place mondiale. Tout marche, ça fonctionne, c'est super, c'est génial. Fin de Wimbledon, ok, je me fais éliminer et on repart. Et là, on nous sort, il est blessé, il ne peut pas bien jouer, tout ça, parce qu'il est blessé, il faut qu'il se pose. Et le mec, il n'arrête pas de jouer. Il joue toutes les semaines pour se faire cadenasser par des mecs normalement à qui il met des leçons de tennis. Et le mec continue à jouer. Et moi, je me pose la question de savoir si ce mec-là a vraiment un problème physique ou si c'est simplement pas un problème mental qu'il en a la tronche en train de faire son petit boudin de gamin qui, tout d'un coup, j'étais le roi du monde, c'était moi et Alcaraz, les autres, vous êtes tous des merdes, et tout d'un coup, il n'existe plus, quoi. Et je me pose cette question. Et jusqu'à quel point le Boris Becker n'est pas là pour remettre l'ordre dans la tête, dans le côté « Hé, pépère !» Moi aussi, quand j'ai été gamin, j'ai gagné Wimbledon et c'était très, très dur derrière. Et il va falloir remettre un peu de l'ordre. C'est quoi tes priorités? C'est comment tu veux travailler? Qu'est-ce que tu veux devenir? Parce que maintenant, tu n'as plus 16 ans, quoi. Tu vas jouer dans la cour des grands et là, les mecs, c'est des monstres dans la tronche. Tennistiquement, ils sont tous des monstres. Mais dans la tronche, pour moi, Rune, il est à des années-lumière de ces gamins. Il fait gamin. Son comportement sur le court fait junior. Et ça, pour moi, c'est un flop. Si le mec, il veut y arriver, putain, il va falloir qu'il change très vite. Quand tu vois la différence de comportement d'un Sinner et d'un Rouneux... Pas les mêmes personnalités non plus. C'est une pièce à deux faces aussi. Oui, mais t'as l'impression d'avoir un cadet et un adulte, quoi. C'est une pièce à deux faces, parce qu'à Monte Carlo en demi-finale contre Sinner, il va chercher le public, c'est comme ça qu'il arrive à retourner Sinner aussi. Donc dans certaines configurations, c'est positif pour lui. Mais c'est vrai que globalement, sur l'ensemble d'une saison... Il est dans la bonne dynamique, tu vois. Monte Carlo, on est dans la période où le mec est fast pour lui. Ouais. Et là, il ne l'est pas. Donc, quel est le travail qu'il va mettre en place? C'est ça que je veux voir. Et puis là, t'imagines Bercy? Ça a été le roi, quoi. Le mec, tout lui souriait. Et là, il arrive dans une phase qui n'est quand même pas évidente, parce que le mec, il ne gagne pas, hein, à part ces trois tours qu'il nous fait la semaine dernière. Et encore, il finit contre Félix. Le mec, il n'a plus le rythme. Il n'a plus cet effort physique, comme l'a dit Medvedev. Si tu t'arrêtes une semaine à ce niveau-là, putain, tu vas en baver pour retrouver cette espèce de continuité dans l'effort. Bah, il en est où, Rune? Il joue de Steam ou Stan? Imagine. Dont on va parler tout à l'heure. Le flop de service volé. Ouais, bah contractuellement, je suis obligé de mettre Stéphanos. Tu t'es trouvé dur. Une émission sur deux, mais je suis obligé. Ah, c'est vrai, tu nous avais dit ça. À chaque fois. Parce que je l'adore. Il va falloir arrêter d'être trop dur avec Stéphanos. C'est l'amour vache. Alors, je justifie, on sort de deux demi-finales, hyper contre Fils et contre Medvedev. On a retrouvé par instant quand même le Stéphanos qu'on aime, contre Machak, je trouve. Il est mené d'un break dans la troisième manche, il va revenir. Mais par contre, il y a une stat qui est sidérante. 0 sur 6 sur les top 10 cette saison. Il a battu aucun top 15 même, si on élargit sur le début de la saison. Donc, il n'ira pas au Masters. Et pourtant si, ouais. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est marrant, c'est que malgré tout, il est quand même parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette sensation d'un déclassement. Quoi. On a un déclassement chez Stéphanos. En fait, on se rend compte que c'est plus vraiment... On en parlait au wagon bar, Marie. C'est plus vraiment une menace, entre je trouve. Le deuxième et le troisième tir. Non, jute pas. T'as vu, regarde, Tsitsipas, c'est la base. Menace pour les grands chelems, je trouve. C'est un vainqueur de grand chelem. Enfin, on l'a vu comme un vainqueur de grand chelem, comme un numéro mondial. Moi, je trouve que tactiquement, il n'a pas progressé. Oui. Non. Et ce fameux slice, un moment note. Il a même regressé en revers. Et les bois et tout ça. Alors, il y a peut-être toujours aussi ce fameux problème de coude, je ne sais pas. Putain, tu nous en as parlé depuis longtemps. Et puis, mine de rien, je ne suis pas sûr
il est peut-être très bien dans sa vie et je lui souhaite ça, mais je suis pas sûr que Badoza lui apporte du positif. Pour recoller parce que quand même, depuis qu'il est avec elle, on peut pas dire qu'il joue quand même extrêmement bien, quoi. Pour recoller à ce que disait Benoît, il est peut-être bien dans sa vie, mais il joue pas bien. Il sort un peu du truc, forcément. Bah oui, mais donc il est bien dans sa vie, mais il est pas bien sur le coup. Ah, mais cette saison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'exploser la bulle. Il a voulu péter la bulle familiale. Et voilà, il y a eu Badoza, on écarte le père, il y a Philippe Poussis, et là finalement, il est revenu dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. Donc on sait en fait ce qu'il est capable de produire dans cette zone. Mais je trouve que voilà, malheureusement, ouais, il va plus titiller les meilleurs. C'est ça qui est gênant. Il a un petit peu glissé, mais je pense que certains d'entre vous vont peut-être se dire, ouais, il est sévère, machin. Oui, c'est ça. On est au top niveau, là. On est au top niveau, on est sur des pourcentages, on est sur des détails. On est vraiment c'est une Formule 1, quoi, à ce moment-là. Entre 6 et 3 et entre 6 et vainqueur de Grand Chelem, il y a une grosse cif. Zverev, Tsitsipas qui arrivent, ils vont gagner Grand Chelem, ils vont être numéro 1 mondiaux et ils bouffent des Masters 1000. OK, ils sont installés, ils font partie des meilleurs. Il était vraiment pas loin pour le coup. Qui a gagné un Grand Chelem? Qui a été numéro 1 mondial sur Zverev et Tsitsipas? Il a fait finale Tsitsipas en début d'année. Ah mais tu regardes Daniil, Zverev, Stéphanos. C'est Daniil. Qui à la fin fera la meilleure carrière entre les trois et qui fera la moins bonne? Bah pour l'instant c'est Daniil. Pour l'instant c'est Daniil. Et de loin. Le flop de Julien Barret. Moi c'est un petit flop. C'est un foupinou? Ouais, c'est un petit flop parce que je l'avais bien aimé sur la semaine précédente. Et là, pas compris ce flop non plus. Il joue bien, il special exempt, il arrive, il fait first. Donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Je pensais que. T'es un peu cuit? Ouais, non, mais je pensais que le Aslan sur surface en dur, en indoor et tout ça, il commençait à mieux jouer. J'étais un peu déçu, voilà. Donc c'était un petit flop. Allez, le tennis continue, les amis, évidemment. On va prendre nos quartiers à Bercy, au CAI. Attends, on y va. Il y a des matchs en live à regarder sur Winamax TV. Davidovich Fokina a pris le premier set au tie-break contre Ben Shelton. Pensez pour Juju Bichenet. Jarry a pris le premier set contre Popirine, 7-5. Et puis on a aussi. Voilà, c'est tout en live pour l'instant. Non, il n'y en a pas. Il y a trois courts. Bah écoute, non. Normalement. Bah ouais, mais j'ai que deux matchs en live. Ah non, peut-être que sur le court numéro 2, ça commence à plus tard. Ah bah parce que Bautista Agut a battu Lechka 6-4, 6-2. Normal, c'est dur hein, pour Jiri. Non mais c'est dur. Hein. C'est pas beau mais il a gagné. Bah voilà, les HK et Rui Chuvori, ils sont en train de se prendre des claques sur claques. Ouais. C'est clair. À suivre, on aura de très beaux matchs. J'espère que vous pourrez aller à Bercy regarder Andy Murray contre Alex de Minaur, l'Australien qui n'a jamais perdu de match contre la légende britannique en 5 confrontations. Dernière en date, Pékin évidemment, victoire au tie-break du 3e. Plus serré cette fois-ci. Oui, parce que c'est la 4e fois qu'ils vont se jouer SV cette année après Pékin. Ils sont aussi joués au Queen's et à Monte-Carlo où ça avait fait 3-1 ou 1-3 à chaque fois pour De Minaur. Alors, est-ce que ce sera serré cette fois-ci? De Minaur est à 1,36, Murray à 3 et nos parieurs vont aller évidemment sur De Minaur. C'est un match compliqué pour Murray dans l'absolu quoi, parce que c'est un De Minaur, c'est un limeur de l'extrême et Murray, il n'arrive pas à faire des coups gagnants. Donc, il se heurte face à un mur et face à une version qui est plus jeune, plus mobile que lui. Donc là, après, il peut... Moi, je vais partir sur le 3-7 sans vainqueur. Mais déjà... dis-toi, parce que... Oui. Ouais, non, mais ça va durer encore 2h30, 3h. Non, ou le over. Parce que... Nombre de jeux. Ah, le nombre de jeux. À voir quel est le plus intéressant. Et encore, ça doit pas être... Plus de 20,5 à 1,42. Mais peut-être que Murray... Large, monte. Peut-être que Murray a tiré certaines leçons de la dernière opposition. À Pékin. Du coup, il a peut-être conçu certains plans pour pas prendre 3 et 1. Quoi. Le problème, c'est que Andy Murray, il fait pas de coups gagnants, quoi. Ouais, et il joue un joueur qui est super défensif, qui fait pas de faute. Ouais, mais demi heure sur la jante. Il a jamais fait une saison comme ça. Hein. Murray un peu sur la jante aussi. Oui, mais de toute façon, essence, il est toujours sur la jante. Mais j'adore. Plus sur la hanche que sur la jante. Je voulais faire la vanne, mais j'ai pas osé. Je ne sais plus ce qu'on peut dire ou pas, donc j'ai pas osé. Plus de 21,5 à 1,54 pour ce match-là. On va pas sur un gagnant. Vous voyez, on va sur le nombre de jeux. Parce que on peut aller sur le 7 d'Andy Murray. C'est le dernier tournoi de la saison pour les deux. Tu vois, ça peut, voilà, ils vont lâcher, match accroché. L'Australie, ils sont en Coupe Davis ou pas? Ils sont en finale à la Coupe Davis, l'Australie? En phase finale? Ouais. Oh là là, parce que l'Angleterre, oui. Et comme il n'y aura pas Daniil Evans, puisqu'il est vraiment foutu avec son mollet. Il s'est éclaté, ouais. Donc en fait, Murray, il va avoir sa place en simple avec Cameron Norrie, qui lui a confirmé qu'il ne jouait pas à Bercy pour être prêt pour la finale à la Coupe Davis. Donc Murray, il a peut-être aussi une petite carotte, là. J'ai l'impression qu'Alex de Minaur, c'est très, très dur, sa fin de saison. En fait, il nous dit, Murray, quand il va voir le prix des pintes sur Paris, il va vite rentrer chez lui.
C'est pas la première fois qu'il vient à Paris. Andy Murray. Premier Français de la journée, c'est Alexandre Muller, wildcard, qui va affronter Roman Safiulin, qui est sorti des qualifs. Ils se sont joués une fois, mais c'était à Quimper en 2019. Safiulin s'était déjà imposé. Il a 1,25, Safiulin. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure surface pour Alex Muller. Il y a vraiment un aspect vraiment technique, pour moi, pour le coup, qui me gêne un peu, c'est côté coup droit. Si Safiulin, avec ses frappes beaucoup plus tendues, beaucoup plus lourdes, vient le rentrer vraiment côté coup droit, où il a du mal à faire passer la tête de raquette et il finit très souvent derrière l'épaule, moi, je partirais sur une victoire de Safiulin. 1,25, c'est pas terrible, mais peut-être le mettre dans un combo, mais je partirais sur Safiulin. Moi, je vais sur le 7 de Muller. Le 7 d'Alex Muller, quand même. Ouais, ouais, parce qu'il nous a prouvé, justement, là, on l'a peut-être un peu trop catalogué, terre battue. Il nous avait étonné, tu as raison. Il a vraiment progressé, je trouve, cette année. Et il y a quand même cette carotte de se dire que tu peux aller jouer Alcaraz derrière. Je pense que les mecs, ils ont très, très envie de se... Moi, enfin, je suis joueur, j'ai jamais joué Alcaraz, j'ai envie de le jouer. Ah, je peux te dire, j'ai envie d'aller me voir un peu ce que c'est que ce truc. Si le public rentre dans ce match, si le match est un peu serré, il y a un grain de folie, je pense que c'est la seule manière ça pour Muller... Ouais, mais c'est sûr, ça va être compliqué. Non, mais c'est compliqué. Mais ah, je pense qu'il peut gagner. Dans l'absolu, Safiulin doit gagner ça en deux. Hein. Il a plus le jeu sur cette surface qu'Alex Muller. Et les Australiens seront bien à Malaga. Merci Gladys. Ah merde, ils y sont aussi. Ils y sont aussi, ouais. Donc Demi-Nord, il est crevé, il n'y arrivera pas. Le 7 de Muller est à 1,80. Safiulin à 1,25. Nos parieurs vont sur le russe. On a d'autres Français aujourd'hui. On a Manarino qui a hérité de VDZ. Fin de Zanscoop. Ouais, joueur contre qui il reste sur une défaite à Bâle l'année dernière. Manarino à 1,70. Benoît, est-ce qu'on va foncer sur Manarino à 1,70? Allez. Quentin Moinet qui l'a interviewé. Je sais pas si c'est Quentin, mais qui nous a montré son petit interview là par rapport aux Jeux Olympiques où il dit les gars, mais je veux pas y aller. Laissez-moi, je veux pas y aller. Non, c'est pas qu'il dit il veut pas y aller, mais il dit c'est de la terre battue. Je sais qu'en terre battue, je suis 90e mondial. Le but du jeu, c'est d'aller gagner une médaille. Donc, et j'ai trouvé le discours énorme. Mais encore une fois, Manarino, je me dis, mais attends, dans quel état t'arrives sur des tournois comme ça, après ce qu'il a fait, là, sa saison, elle est dingue. Il est extra lucide, Manam, j'adore. J'adore, j'adore. C'est un gars qui est entier, qui cache, dit les choses, quoi. Il n'y a pas de bluff. Ah, moi, je lui achète une roulotte et je le fous cartomancien, et il va te dire l'avenir, lui. Hein. Mais en fait, ils disent ce que les autres ne disent pas. Mais ouais, mais vendre deux ans. Non, mais quand il a une interview, il est franc. Trop bien. Non, mais il dit les choses, quoi. Il ne brosse pas les gens dans le sens du poil. Donc il dit les choses comme elles sont. C'est il aurait sa place, hein, sans filet. Manarino, grand joueur d'indoor, nous dit Arnaud. Julien Varlet. Je les ai vus s'échauffer tout à l'heure. Effectivement, en fait, j'ai pensé à Benoît tout de suite quand j'ai vu VDZ, parce qu'effectivement, il jouait avec Murray. Il avait Murray en face et Demi-Nord avec Adrian. Mais non, je partais sur le style de jeu, sur la surface. Même s'il frappe fort VDZ, il a quand même pas bien joué ces derniers temps. Là, il sort des qualifs, certes, il vient de gagner deux matchs. Mais le style de jeu et la grinta, la prise de balle un peu rapide, il va venir prendre un peu, je pense, dans le jeu de jambes. VDZ, donc je partirai sur Adrien. Il y a Ron qui dit dans le chat, VDZ contre Manarino, c'est le match en slow motion. On parle de Luca Vanache maintenant, wildcard, qui lui a rendez-vous avec la slow Djéré. Benoît, grande première entre les deux joueurs. Il est à 2,10, notre Français contre Djéré, 1,68. Pardon. Très partagé, nos parieurs, sur la question. Oh ouais, là, c'est dur, c'est pas un tirage simple. Hein. Djéré, tu sais pas trop quelle version tu vas te taper. Vanache. Alors Djéré, c'est pas forcément. On a envie de dire, c'est pas sa surface. Mais il a bien joué. Hein. Mais ces derniers temps, il est plutôt bon. Ouais. Donc j'ai envie de me dire, voilà, il est en France. Lucas, peut-être aller chercher la victoire. Il est à 2,10. Il faut que le public retourne Djéré. On sait que c'est un joueur public mentalement qui est un peu fragile. Djéré est tellement chaud. Djéré, il peut être tendu. Hein, parce les Serbes, je peux dire qu'en ce moment, tout le monde veut jouer avec Djokovic la finale de la Coupe Davis. Les Kekmanovic, les Djéré, tout ça, ils sont en train de se tirer une bourre de malade pour être sûr. En double, ils vont jouer en plus en double, Djokovic et Kekmanovic. Djoko, il le veut, le Kek. Donc, le Djéré, il a peut-être envie d'être là, quoi. Le Kekofric. Après, Djéré fait partie de l'écurie, quand même, de Novak Djokovic. Bah oui. C'est quand même très pote et tout ça. Et donc, il a certainement envie de se montrer aussi. C'est ça qui me fait peur. C'est... Il va peut-être pas lâcher. Non. Parce que très souvent, tu sais, on arrive, on dit c'est Bercy, à certains joueurs, hop, ils partent en vacances, c'est les derniers tournois de la saison. Ouais, mais pas là. Je pars sur Djéré, moi. C'est vrai ? Ouais. Moi, je pars sur un 3-7. Vous m'avez convaincu. Djéré 1,68, le 3-7 sans vainqueur pour Julien Varlet. Match qui colle parfaitement au thème de la journée,
Dimitrov face à Musetti. Ils sont joués à Vienne il y a une semaine, victoire 3 et 4 du Bulgare. Est-ce que Musetti peut aller chercher sa revanche? Il est bien Grigor en ce moment-là. Ouais. J'adore ce qu'il produit, je trouve qu'il est... Il est à 3,90 peu... Musetti. En fait, il arrive à un âge, là, Grigor, où les attentes, ce qu'on pouvait espérer de lui, je trouve qu'il est un peu détaché de tout ça. Il a vraiment retrouvé un super, super niveau de jeu. Il est très agréable à regarder. Je trouve, c'est vraiment un des joueurs que je préfère regarder là, ces dernières semaines, Grigor, parce que ça marche bien. Il est agressif. Il fait en fait ce qu'on aurait aimé qu'il fasse toute sa carrière. Ça joue sur le central? J'ai pas le... Il me semble, non. Non, pas sûr. Non, je crois pas. Ils ont pas mis ça sur le central? Je crois pas, non. C'est criminel. Non, parce que je commande pas, je crois pas que je le commande. Non, je crois pas que sur le central. Parce que ça, sur le 1, autant sur le central, je te dirais que j'irais assez facilement sur le Grigor. Autant sur le 1... Le 7 de Musetti? Ils sont joués il y a 6 jours. Oui, ouais, le 7 de Musetti. Non, moi, je partirais sur Grigor. Le 7 de Musetti, je pense que Grigor est quand même un peu meilleur que... Musetti. La dynamique est meilleure. Il a l'air bien, le Grigor. La dynamique est meilleure. Sauf si Grigor s'est perdu dans la vie parisienne. C'est pas son genre. Ouais. Vu la copine qu'il a, non, je pense pas. Il joue beaucoup, hein, Grigor. C'est pas un gamin, hein, Grigor. Hein, donc il joue énormément et il joue beaucoup, puisqu'il gagne pas beaucoup. Au premier tour. Il gagne beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire que peut-être aussi, lui, il va arriver. C'est le dernier match juin. La frappe de Musetti, même si on le catalogue un petit peu trop dans le côté statut grec, le mec, il envoie du bois, quoi. Donc, sur un court numéro 1, s'il sert bien, s'il envoie de la bonne patate, parce que Dimitrov, il va pas te coller contre la bâche. Là, on va jouer au tennis, on va tripoter la baballe entre les deux. Et sans rire, Musetti, au tripotage de baballe, il est quand même extrêmement fort, quoi. 6-7 de Musetti. Ouais, le 7 de Musetti. J'y vais complètement. On parle de Richard Grigor Gasquet. Sur le, hein, Michel dit ouais, Grigor ouais. Sur le. On parle de Richard Gasquet maintenant, qui n'aura pas la tâche facile contre Tommy Paul, 12e mondial, première en indoor. Ils se sont joués sur terre en 2022 à Estoril. Victoire. Surtout, Master. Richie part à Séoul après, donc. Il a un voyage à faire à Séoul pour l'UTS. J'ai bien peur que Tommy Paul fasse voler en éclat Richard Gasquet sur la Next Station. Tommy Paul, il est 1-18. Alors, en plus, mine de rien, bon, il a quand même très bien joué l'année passée. Qui? Bah, Tommy Paul ici à Bercy. Et c'est à l'américaine, il va se servir fort, il va frapper fort. Et je pense que Richie, il a pas la caisse, il a pas le... Je rappelle qu'il perd en 2-7-7 contre Nakashima la semaine dernière d'entrée à Brest. Hein. Ouais. Paul était au Louvre avec sa copine sur un stage, j'ai vu ça. Donc il profite de la vie parisienne, lui. Non, mais je vois pas Richard. Non, je serais vraiment, vraiment choqué. D'ailleurs, tu sais, alors, moi je rajoute juste une petite chose. Je suis quand même pour pousser les jeunes joueurs. Je trouve quand même donner la wildcard à Richard. Ah, t'es comme Julien Pichenet. Il y a quand même des joueurs qui l'auraient peut-être mérité cette année. Et voilà, il en a eu des wildcards. Bon, voilà, c'est juste mon sentiment. Ouais, il a donné un qui était en qualif, un wildcard en qualif. Après, il a peut-être dit à Cédric Pioline que dans l'absolu, c'était son dernier merci. Hein. Il l'aura annoncé, non? Richie, c'est pas le genre. Hein. De toute façon, Richie, moi, il m'avait dit il y a 2 ans, tant que je suis top 100, ouais, s'il sort du top 100, j'arrête. Si je suis plus top 100 parce que je serai plus tableau dans les grandes chaînes, j'arrête. Ouais. Et Richie, il va pas venir devant les micros pour expliquer pourquoi il arrête. Hein. C'est pas faux. C'est pas le genre. En tout cas, on ne le voit pas passer. Tommy Paul, on va finir avec un duel de revers splendide à une main. Wawrinka contre Thiem, sorti des qualifs. 5e duel sur le circuit principal, le premier depuis Indian Wells 2017. Je ne compte pas l'exhib. Le Suisse qui reste sur 3 victoires, Indian Wells 2017 à Rome 2015 et Bercy 2014. Sur le central. Hein. C'est bizarre de mettre ce match-là avec le tableau principal, c'est le tournoi des légendes, Team Stan, non? N'empêche qu'à mon avis, Team sort des qualifs. Veut voir ce match. Ouais, il sort des qualifs. Bah, c'est un match qui va nous pincer le cœur de nostalgie. Quoi. Bah, bien sûr. Mais moi, je partirais quand même sur une victoire de Stan. Ouais, il a 2,25, il n'est pas favori. Hein. Stan n'est pas favori. Stan a dit qu'il était rincé. Hein. Ouais. Stan ouais, a dit, je suis cuit de chez cuit. Il est sur une night session, sur un team. Moi, je verrais bien Stan quand même s'en sortir. Difficilement, mais Stan. Par ses frappes assez... Le set de Stan, peut-être. Il va être un peu plus proche de sa ligne. Thiem va se mettre assez loin. Il va avoir des balles quand même à bonne hauteur, Stan, pour venir s'appuyer sur ses frappes. Tu vois, Pep, je me dis, vu les déclarations de Stan, bah ouais, je vais sur Thiem. Hein. Ouais, je suis d'accord avec Pep. Hein. Stan, il a vraiment annoncé qu'il était cramoisi. Et Thiem sort des qualifs, comme tu l'as dit, Julien. Donc, plutôt vent dans le dos, moi, je pars sur Thiem. Je mets la piécette. Il n'y a rien de simple pour Dominic Thiem, hein, dans l'histoire. Hein, parce qu'il se fait un 3-7 contre Sonego samedi, match de dingue. Il se fait derrière après, il va battre O'Connell. Et même si le score est en 2-7, ça a quand même été accroché. Derrière, il va jouer Stan, où tu sais que
va falloir envoyer un bois de dingue. Et Tim, il a besoin de ça, il a besoin d'efforts. Ah ouais, et de... mais effort, effort. Après, c'est pas sa meilleure surface, Lindor, quand même. Bah ouais, c'est pas son truc, quand même. Hein. Tim ? Ouais. Ah non. Bah, il tape finale au Masters, quand même. Oui, oui, mais ouais, c'est mais pas c'est sa surface. Il était dans la zone. Oui, c'était le pick team. Non, mais j'ai envie de mettre une pièce sur Dodo. Je suis vraiment inquiété par les déclarations de Stan. Et ses tweets aussi envers Benoît. Moi, je sais pas. Non, non, mais je dis le set de Stan. Mais alors après, qui se sort de ce truc-là? Ça peut finir très, ouais, très tard. Ouais, ouais. On peut mettre le nombre de jeux avant de passer au Masters féminin. Il prendra son petit café, Stan. Voilà. J'ai Julien Pichenet qui m'a envoyé un message. Je n'avais jamais vu autant de monde dans les tribunes de Bercy pour un match d'ouverture. Seul Shelton pouvait faire ça. Ouais. C'est beau l'amour. Hein. Il va nous parler. Il est con. Oui, mais bon, il est mal embarqué. D'ailleurs, il doit nous payer une raclette cette semaine. Ben là, il est mal embarqué. Tu as dit qu'il doit nous payer une raclette chez lui. Oui, chez lui, la raclette en plus. Chez lui. Oula. Je demande à voir. Je demande à voir. On en a parlé en août, rappelle-toi. Allez, point Masters féminin, on y va. Début des matchs pour le groupe chez Toumal. Swiatek débutera contre Vondroušová cette nuit. Elle n'a jamais perdu un set contre la Tchèque. Dernière victoire en date, leur quart de finale à Cincinnati. Cette année, j'espère que vous avez regardé les matchs hier soir. Non, j'avoue. Sabalenka impériale. C'est quoi ces cours là? Oh, on va pas y arriver. Mais ils ont fait ça. Non, mais c'est un scandale, il faut le dire. À un moment donné, en fait, si on veut respecter le tennis féminin, il faut leur donner des conditions aussi qui sont correctes. Oui, non, oui, non, mais c'est clair. Je trouve que c'est abusé. Hein. Alors, c'est sympa les photos en ouais. robe devant la plage, mais à un moment donné, on est là pour jouer au tennis. Mais ils n'avaient pas prévenu que c'était une photo en blanc. Mais c'est ça. Ouais. Elle est même pas numéro 1 mondial. Pourquoi elle est en robe rouge totale? Alors que les autres sont en blanc. Je trouve ça pas compris. Là, pour le coup, je trouve ça d'un ridicule. T'as l'impression qu'elles sont toutes copines. Il y en a pas une qui peut se saquer. Bon, mis à part Pegula et Goff. Parce que pour la photo. C'est pareil. Tu vas pas leur dire. Vas-y, arrachez-vous le chignon. Elles sont même incapables de s'entraîner une fois par an ensemble. T'as l'impression qu'elles sont toutes copines. Ouais. Bah, nous, c'est pareil. T'as l'impression qu'on s'aime tous sur ce plateau. Qu'on peut se saquer. Voilà, écoute, c'est chaud. Surtout toi, d'ailleurs. C'est chaud. Bon, donc, ce match, Swiatek Vondroušová, 1-18. Est-ce qu'on va tenter le 2-7-0 Swiatek? A jamais perdu un set contre la Tchèque. Ouais, 2-7-0. Toi, tu vas sur le 2-7-0? 2-7-0, Swiatek. C'est quoi 2-7-0? C'est un 45. T'es pas emballé, SV. Ça vaut le coup de se faire un frisson dans un combo. Ouais, dans un combo. Bah non, mais parce même, que, parce que je pense que le coup droit... De Vondroušová? Non, le coup droit de Swiatek très lifté dans le revers de Vondroušová. Dans la diagonale, il va faire très très mal. Je pars sur 2-7 Swiatek. Puis même, je peux dire qu'elle va la jouer longue ligne aussi. Elle va te la coincer revers pour jouer longue ligne derrière. Faire le jeu avec son coup droit dans le revers de la gauche. Je vous rappelle les deux matchs quand même. Donc Zabalenka qui met la filée à Sakkari qui a fini en larmes. 6-0, 6-1. Ah ouais. Et derrière, tu as 5-3 pour... Pegula. Non, pour Rybakina. Rybakina. Qui tout d'un coup joue plus. Je sais pas. Et ça fait 7-5, 6-2 pour Pegula. On va parler d'un duel très attendu maintenant, on va finir en beauté parce que ce match, on veut le voir, Coco Gauff face à Ons Jabeur. Ce sera leur première cette année. Ben ouais, se sont joués la dernière fois à Berlin, sur gazon, Attends, en 2022. Il y a Jeannie Tenden qui me dit, je crois que c'est parce qu'elle est la tenante du titre. Mais ça va pas, quoi. Tu sais qui a gagné le Masters l'an dernier? Tu te souviens pas qui a gagné le Masters l'an dernier? Et Garo. Mais non, mais elle devait sûrement avoir le choix entre blanc et rouge. Non, mais c'est typiquement... Ah bah non, il y a un truc qui va pas, là, c'est pas possible. Elle a pas eu le mémo, tu sais, c'est quand il y a des soirées costumées, on se dit, ouais, viens, machin, années 70. Mais on ne voit qu'elle. Elle rayonne. Elle a peut-être voulu se démarquer aussi. Elle a pas tort. Elle a pas eu le mémo pour moi. Oh, ça m'étonnerait, vu la personnalité de Iga Swiatek. Enfin bon, bref, elle s'en fout, elle était toute magnifique et c'était une très belle photo. Donc, Coco Gauff, Ons Jabeur. C'est une première cette année. Première cette année, elle est à 1,42. Je vous mets les cotes. 1,42 Coco Gauff. Coco Gauff. Tous nos parieurs vont aller sur Coco Gauff. Hein. Face à Ons Jabeur à 2,75. J'ai un oui de ma tête à droite. Jabeur, elle est à 2,75. Oui. C'est ouais. Pourquoi tu vas aller sur Jabeur? Non, mais je trouve ça dur pour elle. Mais non, moi je pars sur Gauff. Je pense. Je pense qu'elle a. Elle n'arrive pas à récupérer. J'ai peur depuis Wimmer. Gauff, elle est lente. Il va falloir jouer avec des faux rebonds, mais... Non, mais j'en reviens pas de ces conditions, c'est hallucinant. Gauff en 2, carrément même. Ah, carrément? Ouais. Bah, Jabeur... Non, moi, je pars sur Gauff, et voir, je suis SV potentiellement sur 2-7. Donc, on aurait 2-7-0 Coco Gauff, 2-7-0 Iga Swiatek. Ça, c'est pour les matchs de cette nuit. Vous pouvez vivre une nuit de tennis quand même, les amis. Vous faites tout Bercy. Puis vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit avec un petit Coco Gauff. Vous dormez jamais. Voilà.
On ne dort pas, on Après, vibre. Après, ils ont voulu faire un truc sexy pour le Masters, mais effectivement, les conditions ne collent pas avec. Bon, bref. Merci. Mais ils sont très bons, je trouve, au niveau com et tout ça, le WTA. Non, il y a du solide. Hein. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette longue émission. Merci, Benoît, merci, SV, merci, Julien. SV, on se retrouve lundi. Oui, avec grand plaisir pour débriefer, du coup, Paris-Bercy. On débriefera la finale, au moins c'est facile. Le sujet de lundi, c'est le débrief de la finale de Bercy. Voilà. Mais avant, on va évidemment se retrouver. La victoire de Arthur Fils. Tu veux enlever Sinner Medvedev en finale ? La victoire d'Arthur... Ah non ! Tu restes dessus ? Je garde. Et toi, on n'a pas demandé ton tableau ? Djokovic, tu vas gagner, puis c'est tout. Je te le ferai. T'as fait comme moi, voilà. Tu mets Djokovic à la fin. Julien Varlet, comme moi. Merci, n'hésitez pas à télécharger cette émission en podcast sur toutes les plateformes. Des petits pouces pour nous soutenir. On se retrouve demain pour évidemment continuer de parler de Bercy et du Masters féminin. Rendez-vous demain à 11h, car pas de tennis. Ils sont filés.